officiellement en live. D'accord. Super. Est-ce qu'on démarre maintenant? Le temps, alors, encore une fois, merci beaucoup, Céline Mansour, d'avoir accepté notre invitation à cette humble initiative pour donner la chance aux gens, surtout aux jeunes, aux chercheurs d'emploi, PFE, aux stages, de voir comment ça se passe pour vraiment décrocher un job. Et sans trop tarder, quand j'ai demandé à Sammy de m'envoyer son CV, il m'a envoyé, sa bio, je veux dire, il m'a envoyé une courte ligne, vraiment, qui était vraiment rien par rapport à ce qu'il fait, vraiment. Donc, je vais te demander, Sammy, de te présenter, mais de façon un peu détaillée, pas humble. Alors, je ne vais pas me présenter autrement, Kérim. Alors, tout d'abord, je salue tous nos participants qui sont là. Je vois leurs noms. Je vois des amis aussi étrangers d'Afrique subsaharienne que je salue en particulier. J'ai enseigné beaucoup d'étudiants subsahariens et ça s'est toujours très, très bien passé. Et donc, je suis heureux de les retrouver ici aujourd'hui. Écoute, je vais me présenter. Comment est-ce que je vais me présenter, Kérim? Je suis consultant RH, je suis formateur dans les RH, dans le développement personnel aussi, et je suis expert dans le digital, mais je dirais aussi que j'ai enseigné pendant très longtemps et j'ai donné des cours aux étudiants et je les ai accompagnés pour qu'ils puissent bien affronter un entretien de recrutement, des cours de communication. Okay, donc je connais bien le sujet. Et je connais bien ce public parce que ce sont des étudiants qui viennent d'avoir leur diplôme et qui cherchent du travail. Et tout le monde sait que c'est un peu compliqué de trouver du travail, surtout avec la crise, etc. Et puis les étudiants, c'est leur première expérience, ils ne savent pas vraiment s'y prendre. Et c'est normal aussi parce que il n'y a pas d'université qui t'enseigne comment trouver un travail. Mais ce n'est pas grave tout ça, hein. Je sais que nous avons en face de nous des étudiants motivés et c'est l'essentiel. Et j'espère que au bout de ce, je sais pas comment on appelle ça, un webinaire ou une formation, si vous voulez, ils seront suffisamment outillés pour pouvoir bien se préparer, bien passer l'entretien d'embauche et trouver le job qu'ils veulent. Alors, toi, Kérim, quand tu m'as sollicité pour faire cette formation, tu m'as dit que c'était une formation sur l'entretien d'embauche. OK? Exactement. Mais nous, on ne va pas parler uniquement de l'entretien d'embauche parce qu'il y a avant l'entretien d'embauche. Il y a beaucoup de choses à préparer avant l'entretien d'embauche. Donc, on va parler Alors, de tout ça. nous avons eu un atelier déjà qui était focalisé sur comment préparer un bon CV. D'accord. Moi, je ne vais On pas m'attendre. Oui, a oui. sorti une partie où c'est prévu que je la présente moi-même, je vais la présenter. C'est comment bien postuler en voyant un CV en ligne. Mais ça, on va le voir plus tard. Donc, D'accord. je laisse D'accord. En fait, on va parler du CV, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Et on va parler de beaucoup d'autres choses aussi. En dehors de l'entretien d'embauche, et on va aussi parler beaucoup d'entretien d'embauche, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, juste sur le plan de l'organisation de cette formation, Kérim, moi, j'aime bien interagir en live avec les participants. Donc, je vais te charger d'une tâche. Quand tu estimes qu'il y a des questions pertinentes, même au milieu de la formation, tu peux m'interrompre, il n'y a pas de souci, hein. OK, sans problème. Voilà, donc il y a une interaction en temps réel, mais j'ai organisé cette formation de la manière suivante. On va faire à peu près 1 heure de formation proprement dite, et puis on va donner la parole à nos participants pour qu'on installe un peu une sorte de débat. Et entre les deux, il y a un exercice de 5 minutes, hein. OK? OK, bien sûr. Ça Bien sûr. marche. Ça marche. Oui, Super. donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la conversation et je vais les noter. Comme ça, je vais passer à Monsieur Semi, OK?
Le temps que Samir revienne, on est il y a de plus en plus de gens. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Ce sera vraiment agréable et surtout grâce à Samir qui va parler du comment bien préparer son entretien d'embauche et quoi faire avant, quoi faire après. Donc, le temps qu'il revienne, il est déjà de retour. Voilà. Alors, Samy, alors, On je peut démarrer laisse. tout de suite, Kérim. Absolument, nous sommes live, nous avons une quinzaine de personnes, le temps que les gens arrivent, et nous sommes en live sur la page Facebook Bianca Club. Donc, comment dire en anglais, the stage is yours. Super. Donc, on va commencer tout de suite, Kérim. Alors, je pense que pour un diplômé, un étudiant fraîchement diplômé de l'université, et même pour ceux qui ne sont pas diplômés de l'université, mais qui sont à leur premier, enfin deuxième, troisième recherche d'emploi, la recherche d'emploi, c'est quelque chose de très important pour un candidat. Parce que pour les étudiants fraîchement diplômés, c'est une première expérience. Et ils tiennent à réussir cette première expérience. Tout étudiant qui finit ses études veut trouver un travail, veut trouver un travail vite et veut trouver un travail qui lui convient, probablement le travail de ses rêves, pourquoi pas. Et pour un candidat qui veut changer de travail aussi, c'est toujours une nouvelle expérience. Donc, devoir trouver du travail, encore une fois, c'est toujours une nouvelle expérience. Et les mêmes mécanismes reviennent. Donc, grosso modo, en fait, la recherche de travail, la recherche d'emploi, c'est une sorte de passeport pour l'entreprise, hein, cette expérience. C'est-à-dire qu'il faut être prêt mentalement. Ça, c'est très, très important, la préparation mentale. Et on va le voir, ça. Et il faut être bien préparé sur un certain nombre de choses que nous allons détailler tout au long de cette formation. La recherche d'emploi, c'est aussi quelque chose qui est à prendre au sérieux. C'est pas, on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas prendre les choses comme ça à la légère. Il y a un processus à respecter. Il faut être sérieux, il faut être concentré quand on cherche un travail. Alors, moi, je n'aime pas du tout le mot chômeur, c'est-à-dire que quand un étudiant quitte l'université, parfois il rencontre d'anciens amis de l'université ou des parents, des gens qu'il connaît. Alors, ils vont lui poser la question, qu'est-ce que tu fais maintenant? Beaucoup d'étudiants vont dire, je suis chômeur. Ah ben non, vous n'êtes pas chômeur, vous êtes un chercheur d'emploi qui a une activité qui s'appelle la recherche d'emploi. Et la recherche d'emploi, c'est une activité ou c'est un emploi à plein temps. C'est-à-dire que quand vous cherchez un travail, vous êtes à plein temps consacré à la recherche de travail, de ce travail. C'est comme si quelqu'un travaillait en entreprise, mais vous ne travaillez pas en entreprise, mais vous travaillez à chercher du travail. Ça, c'est très, très important. Et ça, c'est une question de mindset, d'attitude, de mentalité. Essayez d'être dans la mentalité de recherche active. Une recherche active, vous vous levez le matin à 8 heures, vous allez commencer à avoir un certain nombre d'activités jusqu'à la fin de la journée. Et ces activités-là vont vous aider à trouver du travail. On va aller voir toutes ces activités-là. Et c'est très, très important de pouvoir suivre ces activités-là et les faire correctement. Donc, vous n'êtes pas des chômeurs, vous êtes des chercheurs d'emploi. Ça, il faut vous le dire, il faut que vous vous le disiez tous les jours en vous regardant dans le miroir avant de sortir de chez vous. Bien. Alors, il y a quelque chose de très très important que je dois mentionner au départ et qui en fait est relative à votre parcours académique. Parce que là, le parcours académique, c'est une licence ou un master, donc c'est un bac plus 3 ou un bac plus 5. Et tout au long de votre parcours académique, à la fin de chaque année universitaire,
il est fortement recommandé de faire un stage en entreprise. Donc, vous êtes censé avoir fait un ou plusieurs stages en entreprise. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que quand vous postulez pour un emploi après avoir fini vos études, les entreprises, quand ils vont voir sur votre CV que vous avez effectué un certain nombre de stages dans différentes entreprises, elles vont apprécier. Pourquoi elles vont apprécier? Parce qu'elles vont dire que ce candidat, il a fait l'effort d'aller découvrir l'entreprise. Il a une certaine expérience professionnelle. Et ils apprécieront d'autant plus que vous aurez eu des stages dans des entreprises différentes ou dans des secteurs d'activité différents. Ça veut dire que vous avez cherché à vivre des expériences différentes. Ça, les entreprises aiment beaucoup. C'est-à-dire entre un candidat qui n'a pas fait de stage et un candidat qui a fait un ou plusieurs stages et qui sont à compétences égales ou à CV égaux, l'entreprise va choisir le candidat qui a fait des stages. Alors, vous allez me dire, oui, ça c'est passé les stages, c'est fini. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas fait de stage. Vous avez fait très peu de stages ou un stage, c'est tout. C'est pas grave, rien n'est perdu, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez commencer votre carrière professionnelle par un stage ou plusieurs stages, c'est pas grave. Question, question rapide, désolé de vous interrompre. Question rapide, est-ce qu'il n'y a pas aussi un process de faire des entretiens pour obtenir un stage en lui-même? À fait. J'adore ta question, Kérim. C'est une question très pertinente. Est-ce qu'il n'y a pas de process à respecter pour pouvoir obtenir un stage? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que tout au long de ces dernières années, je ne sais pas, peut-être les 5, 6 dernières années, les stages qui étaient très disponibles avant sont devenus une denrée rare. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de stages. Les entreprises ne donnent pas beaucoup de stages. Pourquoi? Parce qu'elles donnent de bons stages. Donc, avant, on prenait en stage des étudiants, c'est pas grave, voilà, ils passent un ou 2 mois, ils font pas grand-chose. Mais aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'avoir des étudiants stagiaires parce que ces étudiants ont un projet et ils vont faire leur projet de PFE à l'intérieur de l'entreprise. Donc, l'entreprise a à gagner. Pourquoi? Parce qu'elle va récupérer un projet, encadrer l'étudiant et si le projet est satisfaisant pour l'entreprise, elle va l'embaucher l'étudiant. Donc le stage représente aujourd'hui un enjeu. Donc aujourd'hui, on se bat pour les stages. Décrocher un stage aujourd'hui, c'est devenu comme décrocher un emploi. Donc le même processus qui s'applique au stage va s'appliquer à l'emploi. Donc on va considérer que le stage est un emploi, en fait. C'est un emploi particulier qui a une durée limitée, mais c'est un emploi. Et le cas échéant ici, le stage va aider les étudiants à décrocher un emploi stable. Alors, j'ai dit que le stage était très important. Même si vous n'en avez pas fait pendant votre cursus académique universitaire, vous allez en faire à l'occasion du PFE. Ça, c'est obligatoire. Il y a un stage de PFE, c'est obligatoire. Alors, les stages que vous avez faits, il faut les valoriser sur votre CV. Même si vous avez fait un stage de 15 jours, un mois, ce n'est pas grave. Il faut mettre en valeur ce stage dans votre CV. Beaucoup d'étudiants m'ont posé beaucoup de questions. À l'époque, il n'y avait pas de stage de PFE, il n'était pas obligatoire. Et donc, j'avais des étudiants qui ont fait 2 ou 3 stages. Et durant leur dernière année de licence, ils viennent me voir pour me dire, Monsieur, oui, c'est bien ce que vous me racontez. Mais si je vais montrer mon CV, moi, à l'entreprise aujourd'hui, avec 2 stages d'1 mois chacun, c'est rien du tout, ça. J'ai un CV vide. Non, vous n'avez pas de CV vide. Vous avez un CV avec une expérience professionnelle. Certes, cette expérience est plus ou moins courte, mais elle existe. C'est une expérience. C'est pour cette raison qu'il faut la valoriser et la défendre face à un recruteur. Comment la valoriser? C'est simple. Il faut décrire soigneusement toutes les tâches qui ont été effectuées pendant le stage. Si vous avez participé à un projet, il faut le dire. C'est important. Parce que vous n'avez pas travaillé seul, vous avez travaillé dans une équipe. Si vous avez contribué à la réussite d'un projet, il faut le dire. Si on vous a confié un projet, ça arrive, on peut vous confier un petit projet. Il faut le dire et montrer qu'il y a eu un résultat. C'est-à-dire qu'il faut trouver tous les moyens possibles de valoriser votre stage aux yeux de l'entreprise. Et le recruteur, il va dire, ah, c'est intéressant le stage qui a été fait, il y a eu des résultats, il y a eu une contribution, il y a eu un effort.
Il y a des tâches structurées, claires, qui ont été faites. Voilà, pour cela, il faut valoriser votre stage dans votre CV. Et le stage, comme on l'a dit, c'est très utile parce qu'il peut permettre d'accéder à un premier emploi. Alors avant, il n'y avait pas le stage de PFE, et donc il y avait des étudiants qui ont fait des stages, et ces stages-là leur ont permis d'être recrutés par la même entreprise. Donc il faut être sérieux pendant un stage, parce qu'il y a un emploi à la clé à la fin. Raison de plus pour les stages de PFE qui durent plus longtemps, qui durent jusqu'à 8 mois, donc entre 3, 6, 8 mois. Ces stages-là sont des stages fortement destinés à employer le candidat. Donc il faut être sérieux pendant un stage de PFE et il faut être orienté résultat aussi dans votre PFE parce que l'entreprise, si elle vous encadre, c'est parce qu'elle cherche un résultat concret, un projet avec un résultat concret. Et si elle va vous embaucher, c'est parce que vous avez obtenu un résultat concret qui lui a apporté quelque chose. OK? Donc voilà, ça c'est pour la rubrique stage. Je récapitule, le stage, c'est très important, il faut en faire et il faut le valoriser et il faut l'orienter résultat. Voilà, je passe sur les stages. Je ne sais pas, Kelly, peut-être qu'il y a des questions sur les stages. On n'a reçu aucune jusque-là, mais OK. je rappelle que vous pouvez mettre les questions dans le chat. Voilà. Mais moi-même, j'ai une question. C'est Vas-y, Thierry. alors, au cours d'entretien d'un stage, déjà, est-ce qu'on va me demander est-ce que tu as d'expérience? Déjà, Oui. comment je peux répondre à ça? Alors, au cours d'un entretien pour un stage, il y a deux possibilités. Ou alors, c'est votre premier stage, donc vous n'avez pas d'expérience. Et il faut le dire, hein, il ne faut pas mentir. Ou alors, ce n'est pas votre premier stage, et donc vous avez fait d'autres stages auparavant, et il faut les valoriser. Si c'est votre premier stage et que vous n'avez pas d'expérience, ce n'est pas grave, parce que vous êtes venu pour apprendre. Et il faut le dire à l'entreprise. Je suis venu pour apprendre, c'est mon premier stage. Et il faut montrer votre motivation. Retenez bien ce terme, la motivation. Le recruteur, et on va le voir tout à l'heure, tout de suite plutôt, dans l'entretien de recrutement, il cherche à avoir en face de lui un candidat motivé. Donc, montrez votre motivation. Dites que vous êtes là parce que vous voulez apprendre. Dites que vous êtes là parce que vous voulez acquérir de l'expérience. Dites que vous êtes là parce que vous êtes passionné par l'entreprise. Et par cette activité, que c'est votre rêve de travailler dans cette entreprise, même pour un stage. Et un recruteur, même pendant un stage, quand il va voir que vous êtes motivé, il va vous prendre, même sans expérience. OK? Bien. Alors, je passe au deuxième volet, après avoir vu le stage. On va passer, hein, rapidement sur le CV. Je ne vais pas vous montrer comment rédigez votre CV. Kelly m'a fait une formation là-dessus et vous pouvez en faire d'autres. Moi, je peux vous faire une formation spécifiquement sur le CV, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais je vais vous donner quelques conseils précieux. Alors, aujourd'hui, un CV, il doit être fait au maximum en 2 pages. Bon, ça ne posera pas de problème pour vous puisque vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle. Donc, vous allez largement être dans ce critère-là. L'idéal, c'est de faire un CV en une seule page. OK? Et aujourd'hui, on voit les CV en une seule page. Donc, beaucoup de candidats font des CV en une seule page et ils le réussissent très bien. Alors, je vais essayer de vous projeter, partager avec vous un document. Donc, d'un CV sur une seule page et pas n'importe quel CV, hein. On va le voir tout de suite.
Est-ce que vous voyez, Kelly, tu vois bien le document que je viens de partager? Kerim. Kerim. Oui, je vois, oui, je vois, Fanny. Le document est lisible. OK? Alors, ce CV-là, il est en une seule page. Et beaucoup d'étudiants aujourd'hui arrivent à faire ce genre de CV en une seule page. Les templates, les modèles, on les trouve facilement sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'il contient, ce CV? Il contient très peu d'informations, mais des informations de qualité, l'expérience. Voilà, elle est détaillée là. Vous la voyez très bien, expérience. Donc, vous voyez là, on ne met pas tout un paragraphe pour expliquer l'expérience. On dit juste quelle est la fonction qu'on a occupée, l'entreprise et les réalisations. Uniquement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce qui importe pour l'entreprise. Quelles sont vos réalisations? Peu importe ce que vous avez fait dans ce poste-là, vous pouvez en parler au cours de l'entretien. Mais vu que le CV va atterrir chez le recruteur, il ne vous a pas encore rencontré, donc vous n'avez pas l'occasion de lui parler de la tâche ou du poste. Vous aurez l'occasion de le faire lors de l'entretien, si vous êtes présélectionné. Mais la chose que vous pouvez raconter au recruteur, et c'est la chose qu'il cherche de façon spécifique, c'est les résultats. Voilà, que les résultats. Donc voilà différents postes avec les résultats et les entreprises. Ensuite, nous avons Education, c'est un CV en anglais. Et donc, vous avez les études qui ont été faites. Alors, most proud of, de quoi je suis fier, voilà, c'est très important. Mon courage, ma loyauté, le fait que j'inspire les femmes dans les entreprises de technologie, ça c'est très très bien parce que ça montre quelles sont les choses dont vous êtes fier et donc quels sont vos points positifs et vous vous montrez que vous avez confiance en vous. Voilà, quand vous dites je suis loyal, j'ai du courage, j'ai confiance en moi. Alors, là, il y a une chose originale dans ce CV, c'est-à-dire que la personne, là, dans la rubrique My Time, elle détaille, si vous voulez, comment dirais-je, le dispatching des tâches sur une journée. Donc, combien de temps elle consacre à quelle tâche? Et donc ça montre au recruteur que c'est une personne qui est structurée, qui ne perd pas son temps et qui fait exactement ce qu'il faut dans une quantité de temps déterminée. Alors, qui est cette personne? Cette personne, c'est Marissa Mayer. C'est l'ancienne CEO, donc PDG de Yahoo, et qui par la suite a quitté Yahoo pour prendre des responsabilités dans Google. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une large expérience et pourtant elle arrive à tout mettre dans un CV d'une seule page. Donc on quitte le partage pour revenir au CV. Donc voilà, l'idéal, une page, mais vous pouvez aller jusqu'à deux pages si vous avez de l'expérience. Alors le CV doit être clair et structuré. Ça veut dire quoi? Tout d'abord, ne pas mentir dans un CV. Le recruteur va s'en rendre compte tôt ou tard. Ce n'est pas bon. S'il se rend compte que vous avez menti, vous êtes éliminé et vous avez une mauvaise réputation. Si vous avez des blancs dans un CV, c'est-à-dire des périodes où vous n'avez pas travaillé, et tout le monde peut en avoir, ou alors par choix, ou parce que vous avez quitté un job et vous avez mis du temps pour trouver un autre job, ce n'est pas grave. Il faut le reconnaître. Il faut dire, j'étais en recherche d'emploi pendant ce temps-là. Et il faut valoriser cette activité. Pourquoi? Comment valoriser cette activité? C'est-à-dire que quand vous êtes en recherche d'emploi, ne vous contentez pas de chercher un job, adhérez à une association, mettez-vous sur un projet citoyen, par exemple. Faites des activités qui ont un sens pour vous et qui pourraient, et certainement qui auront un sens pour le recruteur. Le recruteur va se dire, cette personne-là, elle est très active en cherchant un job, elle a aussi eu d'autres activités. D'accord?
très valorisante. Et d'ailleurs, ces activités-là vont valoriser aussi votre CV. Pourquoi? Parce que dans ces activités-là, vous allez déployer des compétences. Et ce sont des activités aussi qui vont vous doter de compétences comportementales. Et vous allez montrer tout ça au recruteur et il va aimer. Alors, troisième point dans le CV, il faut valoriser au mieux les expériences culturelles, telles que les voyages, par exemple. Parce que les voyages, c'est des expériences qu'on vit, c'est des découvertes, on apprend beaucoup. Et les expériences associatives aussi. Les recruteurs adorent ça. De plus en plus de recruteurs veulent des candidats un peu out of the box. J'ai voyagé en Chine, en Asie, etc. J'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement des gens, des sociétés, sur la culture, etc. Donc ça permet de dire aux recruteurs, je suis quelqu'un d'ouvert. Et les recruteurs aiment les gens ouverts. OK? Vous avez eu des expériences associatives, c'est-à-dire, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui a le don de soi, qui est généreux, qui s'intègre aussi, qui est prêt à faire un effort même sans contrepartie financière. D'accord? Donc vous avez des valeurs et les recruteurs aiment les gens qui ont des valeurs. En plus, les expériences associatives, ce sont des expériences aussi. Vous évoluez dans un groupe avec des objectifs, vous mettez en œuvre vos compétences. Et donc, c'est une expérience vécue dans une organisation et le recruteur aime ça. Alors, quatrième volet dans le CV, très très important pour moi. Aujourd'hui, on ne parle plus d'emploi, on parle d'employabilité. Ça veut dire quoi? L'employabilité, c'est votre capacité ou vos chances à être. Vos compétences, vos chances, vos atouts pour trouver un travail. C'est-à-dire, avant, il y a très longtemps, bien longtemps, on quittait l'université, on avait un job. Ça, c'était lors de la période des 30 glorieuses, avant la crise des années 80. Il y avait du travail pour tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail pour tout le monde. Donc, il faut se valoriser sur le marché de l'emploi. Il y a une concurrence qui est dure. Et plus on montre sa valeur sur le marché de l'emploi, plus on se distingue des autres candidats, mieux nous avons des chances à décrocher un job. Donc il faut soigner votre employabilité. Et comment on soigne son employabilité? Il y a un outil qui est phénoménal, je trouve génial, pour soigner votre employabilité, augmenter vos chances à être recruté par une entreprise, ce sont les certifications. Aujourd'hui, le diplôme n'est pas suffisant, n'est plus suffisant. Un diplôme sanctionne un parcours académique, vos études à l'université. Les études, c'est bien, c'est génial, vous apprenez beaucoup de choses, mais vous les avez apprises dans un cadre académique, on va dire un peu théorique, pas beaucoup de pratique. Vous avez des connaissances plutôt, mais vous n'avez pas une expertise encore. Vous ne maîtrisez pas un domaine particulier. Les certifications démontrent que vous maîtrisez un domaine particulier. Donc, elles montrent que vous avez une expertise, c'est-à-dire qu'avec une certification, vous êtes embauché, vous êtes immédiatement opérationnel dans un domaine particulier. Donc, les certifications augmentent votre employabilité parce que quelqu'un qui a une certification et qui a des certifications dans des domaines recherchés par l'entreprise a plus de chances d'être recruté. Les certifications, il y en a deux types, grosso modo. Vous avez les certifications hard skills, les compétences dures, techniques, et les certifications en soft skills, les compétences comportementales. Les certifications en hard skills, on trouve généralement les certifications informatiques, genre Microsoft, Cisco, Linux, etc. Et on trouve aussi des certifications dans le management agile, par exemple. Voilà, ça c'est hard skill. Et les certifications en soft skills sont dans les compétences comportementales. Les compétences techniques sont requises, elles sont demandées, hein, ça c'est clair. Et avec une certification en hard skill, vous augmentez votre employabilité. Mais ce qui fait la différence entre deux candidats, ce sont les compétences comportementales. Et ça, c'est rare et les entreprises les recherchent, ces compétences. Et les compétences comportementales s'acquièrent, même si vous êtes un peu timide, un peu renfermé, un peu introverti, c'est pas grave. Vous faites des formations sur la communication, sur la confiance en soi, sur l'intelligence émotionnelle, sur le leadership, et vous allez ressortir
vous faire ressortir toutes les compétences que vous avez en vous grâce à cette formation. Vous allez devenir quelqu'un qui a confiance en lui, vous allez faire ressortir votre leadership, vous allez mettre en avant votre intelligence émotionnelle, vous allez mieux communiquer. Et pour ça, il y a des certifications en soft skills. Donc, je vous incite fortement à aller vers les certifications en soft skills. Pourquoi ? Parce que les soft skills sont les compétences critiques recherchées surtout par les entreprises, parce que tout le monde ne les possède pas, très peu de gens les possèdent, et les gens qui les possèdent font la différence avec les soft skills. C'est-à-dire à compétences techniques égales, on a besoin de celui qui s'adapte le mieux, celui qui s'intègre le mieux dans un groupe, celui qui communique le mieux, celui qui a le plus de leadership pour pouvoir entraîner une équipe, celui qui gère mieux son stress, celui qui maîtrise mieux ses émotions, celui qui gère mieux son temps. Parce que vous allez voir, quand vous allez intégrer l'entreprise, vous aurez besoin de toutes ces compétences. Dans tous les domaines, tous les jours, dans toutes les situations de management. Et ça, tout le monde ne les a pas. Donc, c'est un atout pour vous d'avoir des certifications en soft skills. Et elles sont disponibles sur le marché. Certaines sont payantes, d'autres sont gratuites. Alors, la gratuité, c'est sur Internet. Vous allez faire des recherches en ligne sur toutes ces formations-là. Et souvent, vous allez trouver des certifications gratuites. Et je vais vous donner des tuyaux. Hein. Donc, ne pas hésiter à passer les certifications parce que vous allez montrer que vous êtes curieux, motivé, toujours à la page et ouvert sur votre environnement. C'est ce que va voir le recruteur quand il va voir que vous avez des certifications en soft skills, que vous allez en parler. Vous êtes curieux, vous êtes allé chercher ces certifications. Vous n'êtes pas resté dans votre siège à attendre. Vous êtes motivé pour les faire. Parce que parfois, c'est des formations qui durent jusqu'à 4 semaines. Vous êtes à la page. Vous vous informez ce qu'il y a autour de vous. Vous êtes ouvert sur votre environnement. Ça, les recruteurs adorent. Les candidats qui sont ouverts sur leur environnement, qui ont une culture générale. OK ? Donc, c'est un atout pour vous en matière de recrutement. Alors, je vais vous donner les tuyaux. Tout d'abord, quelques services de formation en ligne, notamment sur les soft skills. Vous avez LinkedIn Training, ou Learning, pardon. Vous avez un compte LinkedIn, vous avez une rubrique LinkedIn Learning, c'est gratuit. Vous avez les ateliers numériques de Google, c'est entièrement gratuit. Dans tous les domaines, marketing digital, ressources humaines, stratégie, tout, c'est gratuit. Vous avez Open Classrooms, qui est une grande plateforme de formation. Il y a plein de formations gratuites. Vous avez EDX et d'autres. Alors, je vais vous donner une astuce, pardon. Si vous êtes un chercheur d'emploi, donc vous allez vous inscrire à l'Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant, c'est-à-dire l'organisme qui va vous aider à trouver du travail en Tunisie. Vous vous inscrivez sur le site web, vous allez vous inscrire aussi en même temps dans l'une des agences de manière physique. Et là, en vous inscrivant, l'inscription est gratuite, vous mettez votre CV et les entreprises vont vous contacter si votre profil leur plaît. Vous allez bénéficier gratuitement, je dis bien gratuitement, de formations présentielles et digitales à distance, donc de très haut niveau et qui sont certifiantes. Faites ça et vous allez voir. Vous allez accéder à peu près 11 plateformes de formation en ligne grâce à l'ANETI. Et la plupart sont gratuites et qui donnent des certifications. Ça, c'est un grand bravo à l'ANETI pour ça. Donc, ça augmente sur votre employabilité. Et vous allez aussi pour pouvoir bénéficier de formations présentielles organisées par l'ANETI gratuitement. Tout ça est gratuit. Donc, voilà, le marché de la formation pour améliorer votre employabilité est ouvert à vous. Et il est majoritairement gratuit. Retenez bien tout ça. Alors, maintenant, au niveau du CV, il faut une langue parfaite, pas de faute d'orthographe. C'est très mauvais, une faute d'orthographe dans un CV. Les recruteurs détestent ça. Vous pouvez avoir un beau parcours, etc. Vous faites quelques fautes d'orthographe. Le recruteur va dire que vous êtes négligent, que vous ne maîtrisez pas la langue. C'est des mauvais points, ça. Au besoin, faites relire votre CV à des amis ou à des parents. Ce n'est pas grave. Ils vont repérer les fautes, ils vont vous aider. Alors, dans un CV, quelques petites autres règles. Ne mettez pas votre photo sur le CV, vous n'êtes pas obligé. Ne mettez pas votre adresse, vous n'êtes pas obligé. Ne mettez pas votre âge, vous n'êtes pas obligé. Ne mettez pas votre statut marital, vous n'êtes pas obligé. Pas de permis de conduire, seulement 4 informations. Nom, prénom, téléphone et email. Et c'est tout. Pourquoi?
Parce que l'entreprise n'a pas besoin de savoir à quoi vous ressemblez, où vous habitez, quel âge vous avez, si vous êtes marié ou pas, ou si vous avez un permis de conduire ou pas. Parce que ça, c'est des éléments qui peuvent provoquer un risque de discrimination à l'emploi. C'est-à-dire que si, par exemple, un recruteur, vous n'allez pas lui plaire parce qu'il a vu votre photo et qu'il n'aime pas votre photo, eh ben, il risque de ne pas vous recruter. Au contraire, s'il aime votre photo, il risque de vous recruter parce qu'il vous trouve beau. Ces biais existent. Moi, j'ai été recruteur, j'ai été DRH dans une entreprise et j'ai discuté avec beaucoup de recruteurs. Il y a des recruteurs qui recrutent parce que le candidat ou la candidate lui paraissent beaux, avenants, etc. et présentent bien. Voilà. L'adresse. Si par exemple le recruteur n'aime pas le quartier où vous habitez, il trouve que c'est un quartier malfamé selon lui, etc. Il va se dire pourquoi je vais embaucher quelqu'un qui habite là-bas? Non, je ne l'embauche pas. Par contre, si vous habitez dans un quartier huppé et que le recruteur aime, c'est un élément qui va peut-être peser dans la décision du recruteur. L'âge aussi, le statut marital, etc. Pour les femmes, il ne faut pas dire que vous êtes marié ou pas. Ça n'intéresse pas le recruteur. Et il y a aussi, ça va vous éviter aussi de ne pas. Enfin, ça va vous éviter d'avoir de mauvaises aventures avec les recruteurs qui ne veulent pas recruter des femmes mariées. Voilà. Parce que pour lui, une femme mariée, elle va avoir des enfants, donc maternité, etc. Et donc, il pense que ça va lui poser des problèmes alors que légalement, c'est interdit. Bref, dernier élément, il faut mettre à jour systématiquement votre CV, même avec un stage ou avec une expérience bénévole. N'importe quelle expérience que vous faites, même si vous adhérez à une association, ça peut vous paraître pas grand-chose, mais c'est une expérience. Vous la faites, vous mettez à jour votre CV avec. Vous faites un petit stage, vous mettez à jour votre CV avec. Parce que le CV, c'est le parcours de votre vie professionnelle. Vous devez détailler tout le parcours, ne pas oublier quelques étapes de ce parcours-là. Alors, maintenant qu'on a survolé un peu le CV, on va parler d'employabilité. Alors, pour être employable, il faut faire des efforts. Ces efforts ne sont pas très durs, mais ils vont vous demander de la concentration, de la persévérance et le temps. Vous devez prendre le temps qu'il faut pour le faire. Alors, pour augmenter vos chances d'employabilité, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ne recrutent plus à travers les petites annonces dans les journaux. C'est fini, ça. Plus de la moitié des entreprises recrutent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est les dernières statistiques de 2019. Donc, sachant que plus de la moitié des entreprises recrutent sur les réseaux sociaux, il faut que vous soyez présent sur les réseaux sociaux pour que les entreprises vous voient, vous trouvent, vous cherchent. Alors, les entreprises maintenant, aujourd'hui, elles recrutent directement sur les réseaux sociaux au lieu de passer par un cabinet de recrutement. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'un recruteur, il a besoin d'un profil. Il ne va pas appeler un cabinet pour lui dire, Monsieur, j'ai besoin du profil suivant, voici la fiche de poste, je vous donne 2 semaines pour me trouver ce profil. C'est coûteux, c'est une perte de temps. Ben, il n'a qu'à ouvrir son profil LinkedIn sur son ordinateur ou sur sa tablette ou sur son smartphone, et puis il va taper quelques mots-clés, il va peut-être vous trouver. Donc il faut que vous soyez là à l'attendre. OK? Parce que si vous ne l'attendez pas, vous, c'est quelqu'un d'autre qui l'attend et il vous prend le job. Présent sur les réseaux sociaux. Alors, je pense à LinkedIn qui est le réseau social professionnel où des recruteurs et des candidats se rencontrent. Mais sur Facebook, en Tunisie, ça marche aussi. Il y a des gens qui recrutent sur Facebook. Donc, soyez présent aussi sur Facebook. D'accord? Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais si vous utilisez Facebook aussi pour vous amuser, poster des choses qui vous font plaisir, etc., ce n'est pas grave. Créez une page en plus de votre profil où vous mettez en avant vos compétences et vos connaissances. Alors, donc les réseaux sociaux facilitent le réseautage. Qui dit réseau? Dit réseautage, c'est-à-dire en étant présent sur les réseaux sociaux, vous allez agrandir, élargir votre réseau.
Et pour un candidat, c'est très précieux. Plus vous connaissez de gens, plus vous connaissez de gens d'horizons divers, plus vous agrandissez votre réseau. Et plus vous connaissez des gens, plus ça va vous permettre de connaître d'autres personnes. Parce qu'il y a une règle qui dit, quand vous connaissez une personne, elle va vous permettre de connaître en moyenne 6 autres personnes. Donc multipliez le nombre de personnes que vous connaissez par 6 et vous allez voir jusqu'à quel point vous allez pouvoir élargir votre réseau. Et ça, c'est très, très important pour un candidat qui cherche un job. Alors, dans ce réseau-là, privilégiez les recruteurs et les DRH. C'est-à-dire, quand vous avez une page LinkedIn, on va vous proposer des personnes avec qui vous allez réseauter, avec qui vous pouvez vous connecter. Cherchez à avoir, faites des demandes d'amitié à des recruteurs et à des DRH. Pourquoi? Parce que en faisant connaissance directement avec un recruteur, en sympathisant avec lui, vous avez peut-être des chances à décrocher un job. Alors, LinkedIn facilite aussi beaucoup le recrutement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'offres d'emploi disponibles. J'en vois tous les jours. Plein. Que ce soit en stage, en premier emploi, en emploi qui demande de l'expérience. Plein. D'ailleurs, il y a une astuce sur LinkedIn. Vous pouvez demander à LinkedIn de vous envoyer régulièrement, ça peut être tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, un mail avec des offres d'emploi qui correspondent à votre CV. Ça, c'est l'intelligence artificielle de LinkedIn qui va permettre de matcher votre CV avec les offres d'emploi. OK? Et vous proposer des emplois ciblés. Ça, c'est aussi une astuce. Alors, être sur LinkedIn, LinkedIn va vous demander pour remplir votre profil de taper votre CV. Il va vous guider, ça c'est très intéressant. Donc, il va vous faciliter la saisie de votre CV. Alors, être sur LinkedIn vous permet d'avoir un CV selon les normes. Et aussi, si jamais, par exemple, vous n'avez pas eu le temps de faire votre CV pour le donner à une entreprise, vous ne savez pas faire, etc., il y a une option dans votre page de profil LinkedIn. Option, vous cliquez dessus et ça va vous permettre de générer un fichier PDF avec votre CV et vous pouvez le présenter directement à l'entreprise. Alors, avoir un profil LinkedIn vous permet de mettre en avant vos certifications, vos distinctions, vos prix. Par exemple, vous avez eu le prix du meilleur étudiant. Vous le mentionnez sur votre page LinkedIn. Le recruteur va le voir. Vous avez eu une distinction, n'importe laquelle. Je ne sais pas, vous avez eu des trophées sportifs. Ou alors, vous avez été élu meilleur projet PFE. Vous le mettez sur votre profil LinkedIn. Toutes les certifications que vous faites, hard skills, soft skills, vous les mentionnez sur LinkedIn et le recruteur va les voir. Donc, le recruteur qui ne vous connaît pas et qui vous cherche, il va aller sur votre profil, il va tout voir. Votre CV, mais aussi vos performances. Et LinkedIn permet aussi d'accéder à LinkedIn Learning, qui est la plateforme de formation de LinkedIn, qui est généralement gratuite et qui vous permet d'améliorer votre employabilité. Alors, LinkedIn, c'est le réseau où il faut être. Absolument. Moi, j'obligeais mes étudiants, dès la première année, à avoir un compte LinkedIn. Mes étudiants qui n'avaient pas de compte LinkedIn n'étaient pas autorisés à entrer en cours, je vous assure, hein. Et c'était efficace, ils ont tous fait un compte LinkedIn, dès votre première année d'université. Parce qu'un compte LinkedIn, ça évolue, ça s'enrichit avec vos expériences. Et puis, si vous commencez à regarder l'expérience LinkedIn dès le début, dès la première année d'université, vous allez vous habituer au fonctionnement de LinkedIn. Au bout de la troisième année de licence, vous allez arriver avec une expertise en LinkedIn. Vous connaissez très bien le fonctionnement de LinkedIn, donc vous êtes prête à vous aider de LinkedIn pour pouvoir trouver du travail. Alors, deuxième axe dans l'employabilité, c'est les job boards, les sites de recherche d'emploi. Alors, plus de 80% des recrutements passent par les job boards. Comment ça fonctionne? C'est simple. Un site de recherche d'emploi, il va inviter les candidats à afficher leur CV sur le site. Et les entreprises vont payer pour découvrir ce candidat-là et leur CV. Donc, vous mettez, vous, gratuitement votre CV et derrière, il y a une entreprise qui peut-être vous cherche. 80% des recrutements se font grâce à ces job boards. C'est des portails d'emploi traditionnels. Je ne veux pas faire de la pub, mais en Tunisie, ça s'appelle Tanit Jobs, Skid Job, etc.
Alors, ça vous permet d'avoir une présence permanente dans la base de données. Une fois votre CV est dedans, il y est, il ne sort pas de là-bas, il y a une base de données. Et donc, un accès systématique du recruteur à votre CV. Alors, très très important, ne pas oublier de mettre à jour votre CV dans un job board. Parce que le jour où vous avez mis votre CV, entre-temps, vous avez eu des expériences, vous avez avancé dans les études, etc. Mais le CV n'a pas évolué. Donc, le recruteur va voir un CV qui n'est pas à jour. Donc, il faut le mettre à jour régulièrement. Alors, je vais vous donner une astuce, encore une fois, que je viens de découvrir récemment. Il y a une très belle entreprise tunisienne qui s'appelle Fab Skill. Et là, je fais de la publicité. Ce n'est pas grave parce que c'est dans votre intérêt. Alors, dans cette entreprise, qu'est-ce qu'elle offre? Elle offre un outil de matching entre les entreprises et les candidats. C'est-à-dire que vous déposez votre CV sur FabSkill, pardon. En fait, vous allez vous inscrire grâce à votre compte LinkedIn. Après, vous allez remplir votre CV. D'accord? Alors, Kérim, un participant, une participante me dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que tu m'entends ou pas? Alors, je t'entends 5 sur 5. Je ne sais pas pour elle. Donc, il faut qu'elle résolve son problème de son. Il faut lui dire. C'est Ahlem, hein? Alors, je reviens sur FabSkill. C'est gratuit. Vous allez vous connecter à cette plateforme avec votre compte LinkedIn. Après, on va vous demander un certain nombre d'informations sur vous, notamment votre expérience professionnelle, le parcours académique, vos hobbies, vos distinctions, etc. Et là, quand vous vous connectez à cette plateforme FabSkill gratuitement, vous êtes immédiatement en contact avec un réseau de 400 recruteurs tunisiens, c'est-à-dire 400 entreprises tunisiennes qui vont chercher à vous recruter. Et je vous invite à découvrir cette plateforme FabSkill. C'est un outil de recrutement digital qui va beaucoup vous plaire parce que vous allez faire un CV digital, c'est-à-dire enregistrer en vidéo votre CV. Les entretiens vont se faire de façon digitale. Ça va vous faciliter la recherche d'emploi. Vous n'aurez pas à vous déplacer physiquement donc pour rencontrer le recruteur. C'est un outil éminemment digital et c'est très très bien et je vous incite à vous y inscrire. Bien sûr, je vous incite, comme je vous l'ai dit, à vous inscrire à l'ANETI. Ça, c'est la première démarche pour tout chercheur d'emploi en Tunisie. Alors, l'ANETI, je rappelle, c'est l'Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant. C'est une agence gouvernementale. Les services sont gratuits, ouverts à tout le monde. L'ANETI, c'est une opportunité de trouver un job parce que vous allez mettre votre CV dans leur base de données. Les entreprises vont rencontrer votre CV et peut-être qu'ils vont vous appeler. L'ANETI, c'est des formations gratuites, comme je l'ai dit. L'ANETI, c'est un accompagnement dans la recherche d'emploi. L'ANETI organise des sessions de formation sur comment faire un entretien d'emploi, comment rédiger un CV, comment vous présenter, comment vous améliorer vos soft skills. Et c'est gratuit. Donc, tout ce qui est gratuit est bon à prendre. Alors, il y a un autre organisme qui s'appelle le CORP. Cet organisme, il n'est pas public, il est privé, mais il offre des services gratuits dans le cas d'une reconversion, par exemple. Ça, c'est pour les gens qui ont quand même un peu d'expérience. C'est-à-dire, vous avez travaillé dans les IT et vous voulez vous reconvertir dans la banque, par exemple. Ou vous reconvertir dans un métier indépendant, vous voulez monter votre entreprise. Et là, ils vont vous aider, vous accompagner. Alors, autre et dernier axe ou atout dans l'augmentation de votre employabilité, ce sont les formations en ligne. Alors, les formations en ligne, souvent, elles sont gratuites. Elles vous permettent d'obtenir des certificats, ce qui est cherché par les entreprises. Et généralement, c'est sous forme de MOOC, Massive Open Online Courses. C'est des cours en ligne, ouverts à tout le monde, avec bien sûr une date d'inscription et un programme. Et c'est très agréable puisque vous avez en fait des vidéos, donc un expert qui s'adresse à vous via vidéo. Vous avez des quiz à passer, quelques ressources à découvrir, parfois des documents, des articles, etc. Et par la suite, une fois vous avez oui, Kélim me dit d'avancer, je suis tout à fait conscient, mais c'est des choses sur lesquelles je dois m'attarder. Donc, dès que vous passez votre MOOC, vous avez un certificat, vous le mettez sur votre CV, ça valorise votre profil. Alors, maintenant, on va arriver à l'entretien d'embauche ou d'emploi. Alors,
Retenez ça, c'est fondamental. Que cherche un recruteur lors d'un entretien d'embauche? Le recruteur, fondamentalement, il cherche trois choses. Quand un recruteur vous invite à passer un entretien d'embauche, il va essayer de trouver chez vous la motivation. C'est-à-dire que vous allez assister à l'entretien d'embauche, pas comme si vous allez assister à 50 000 autres entretiens d'embauche. Si vous êtes motivé, vous allez montrer cette motivation. Si vous n'êtes pas motivé, vous allez passer tous les entretiens d'embauche de la même manière. Donc, cette motivation, elle doit transparaître dans votre attitude dans un entretien d'embauche. Elle se manifeste aussi par la connaissance de l'entreprise. Si vous êtes motivé par cette entreprise, c'est-à-dire que vous avez fait des recherches préalables sur l'entreprise. Allez sur Internet, cherchez des informations sur l'entreprise, sa date de création, son historique, ses performances, ses marchés, sa stratégie, etc. Quand vous allez arriver devant le recruteur et que vous connaissez bien l'entreprise, il va se dire: Ah, ce candidat, il aime mon entreprise. Il s'intéresse à mon entreprise, donc il veut travailler chez nous. Et ça l'impressionne. Donc, premier point, connaissance de l'entreprise. Deuxième point, motivation. Troisième point, fondamental, votre apport concret à l'entreprise. Le recruteur ne cherche pas un candidat qui va lui raconter sa vie ou son expérience ou qui va lui dire j'ai travaillé dans l'entreprise X, Y ou Z. Le recruteur cherche une réponse simple, claire, concrète. Qu'est-ce que vous avez fait lors de votre vie professionnelle? Si vous dites, par exemple, j'ai travaillé en tant que directeur commercial dans l'entreprise X, j'ai passé 10 ans dans cette entreprise, j'ai géré des équipes, j'ai travaillé sur des projets, ok, c'est très bien tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Quels sont les résultats que vous avez atteints? Et là, vous devez être capable de décrire les résultats que vous avez atteints. Ça peut être de façon quantitative ou qualitative. Quantitative, comment? Par exemple, depuis que je suis, ou pendant la période où j'ai été directeur commercial dans l'entreprise X, j'ai réussi, ou j'ai contribué à l'augmentation des ventes de l'entreprise de 20%, de 30%. Voilà une réalisation concrète. Quand j'étais chef de projet dans l'entreprise où j'ai travaillé, X, Y ou Z, j'ai travaillé, ou j'ai animé, ou j'ai piloté 30 projets. Voilà un chiffre concret qui va dire quel est votre apport donc à l'entreprise. Là, quand un recruteur voit que vous avez obtenu des résultats, il va se dire ce candidat, il est orienté résultat et il m'intéresse parce que moi, je veux réaliser des résultats. Alors, maintenant, il y a quelques préalables à l'entretien d'embauche. Un entretien d'embauche, il faut que vous le sachiez, ce n'est pas un procès. Le recruteur, ce n'est pas un juge. Il ne va pas vous mettre en prison, il ne va pas vous juger, il ne va pas vous dire vous êtes bon ou mauvais, etc. Donc, il n'y a pas de jugement. Il est là juste pour évaluer vos compétences selon ses attentes à lui. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de compétences, mais ce ne sont pas les compétences qu'il cherche. Cela ne veut pas dire que vous êtes incompétent. Cela veut dire que vous êtes compétent. Mais vous ne disposez pas des compétences que cherche précisément ce recruteur. En fait, le recrutement, c'est quoi? C'est comme vous avez, le recruteur arrive avec une boîte en carton vide et vous devez vous mettre dedans. Si vous arrivez à vous mettre dedans, c'est bon, il referme la boîte et il vous prend avec lui. Si vous n'arrivez pas à vous mettre dedans, c'est pas possible qu'il ferme la boîte et qu'il la transporte avec lui. Donc, si vous ne réussissez pas un entretien de recrutement, ce n'est pas grave. Cela ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Non. C'est juste que vous ne cadrez pas avec les exigences de ce poste-là. Vous n'entrez pas dans la case. Ce n'est pas grave. Si vous n'entrez pas dans la case A de l'entreprise A, vous pouvez entrer dans la case B, dans l'entreprise B. Il y a d'autres cases qui sont faites pour vous. Ne vous découragez pas. Alors, comment vous préparez maintenant à l'entretien d'embauche? Alors, il y a une première préparation à faire. C'est une préparation mentale. C'est très, très important. Le mental est très important. Quand on va à un entretien d'embauche avec un air défaitiste, oh, c'est raté, je ne vais pas le réussir, ben, vous n'allez pas le réussir. Mais si vous allez à un entretien d'embauche motivé, concentré,
il y a des chances que vous allez le réussir. Alors, premier conseil, c'est le lâcher prise. Ça veut dire quoi, le lâcher prise? Ça veut dire, si c'est gagné, tant mieux, je suis content. Mais si c'est perdu, ce n'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Je lâche prise. Je n'en fais pas une montagne, ok? Deuxième atout dans la préparation mentale, c'est la confiance. Quand vous vous réveillez le matin et que vous vous préparez dans votre salle de bain, vous faites votre toilette, vous regardez la glace et vous vous dites « Je suis le meilleur et je mérite le meilleur dans ce monde. » Parce que oui, vous êtes dans votre domaine le meilleur, ça c'est un atout. Vous avez confiance en vous et vous méritez le meilleur job. Voilà, il faut avoir confiance en vous. On peut faire bien sûr toute une formation sur la confiance. Si Kérim le veut, il n'y a pas de souci, je suis partant. Troisième conseil, partir avec zéro attente. Je sais que vous êtes stressé, le job pour vous c'est important, etc. Mais si vous en faites une montagne, vous dites « Oh, ce job-là, si je ne l'ai pas, c'est fichu pour moi, c'est fini, ma vie professionnelle est… » excusez-moi le terme, est foutu, elle est ratée, etc., ben, vous allez perdre tous vos moyens. Mais si vous y allez comme ça, zen, décontracté, moi, je n'ai pas d'attente, je vais assister à un entretien d'embauche. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, il y en aura d'autres. Quand on part avec zéro attente, tout ce qu'on obtient, c'est supérieur à zéro, donc c'est bon. Voilà. Ça, c'est un mindset. C'est une attitude à avoir. Ça, c'est pour la préparation mentale. Maintenant, si j'ai un conseil à vous donner, mes chers amis, c'est de multiplier les entretiens. Chaque occasion qui vous permet de participer à un entretien d'embauche, saisissez-la. C'est un exercice. Qui dit exercice, vous allez apprendre, vous exercer. Si le premier est raté, le deuxième sera mieux que le premier, le troisième sera mieux que le deuxième. Parce que vous aurez tiré les conséquences et les leçons de l'entretien précédent pour vous améliorer. N'oubliez pas, on est dans une démarche d'amélioration continue. Il n'y a pas de situation parfaite. Personne n'est parfait, mais on s'améliore tout le temps. Exercice. Qui dit entretien, dit expérience. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Même si vous ratez votre entretien, vous avez vécu une expérience. Et cette expérience, en rentrant chez vous, tirez les leçons de cette expérience. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que, où je dois m'améliorer? Et là, vous allez vous améliorer au fur et à mesure, petit à petit, et vous allez mieux réussir les entretiens suivant. Ensuite, la multiplication des entretiens renforce votre mental, renforce votre confiance en soi, parce que vous aurez vu beaucoup de recruteurs. Vous serez mis dans beaucoup de situations différentes face à un recruteur. Donc, vous allez acquérir de l'expérience qui va vous renforcer dans vos convictions, dans votre confiance. Alors, maintenant, on en arrive à l'entretien proprement dit. Alors, l'entretien proprement dit, j'ai quelques conseils à vous donner avant l'entretien, parce qu'on va simuler un peu un entretien. Premier conseil, quand vous êtes dans un entretien, parlez seulement lorsqu'on vous demande. Ne parlez pas quand on ne vous demande pas de parler. Pourquoi? Parce que si vous parlez comme ça alors qu'on ne vous a pas demandé de parler, le recruteur il va avoir l'impression que vous êtes quelqu'un qui parle dans tous les sens, qui parle de tout et de rien, qui n'est pas structuré. Quand parler trop, ce n'est pas bien. Parlez juste ce qu'il faut, si c'est bien. Donc, pour éviter d'avoir des problèmes, vous êtes là, posé, concentré, affable. OK. Vous montrez avec le sourire que vous êtes motivé et vous attendez tranquillement les questions du recruteur. Il ne vous pose pas de questions. Ne parlez pas. Il ne faut pas donner des informations au recruteur si on ne vous le demande pas. Ne répondez pas à des questions qu'on ne vous a pas posées. Parce que vous risquez de dire des bêtises. Même si vous êtes bien préparé. Nous sommes des êtres humains, on peut se tromper. On peut dire, donner une information qui pourrait vous pénaliser. Troisième chose, il faut répondre exactement aux questions. Ne pas sortir du cadre. Ne pas étaler sa vie privée. On vous a posé une question sur votre expérience. Ce n'est pas la peine de raconter toute votre vie à l'université. Mais racontez uniquement votre expérience. Vous parlez, par exemple, de vos hobbies, les choses que vous aimez faire, vos expériences de voyage, associatives, etc. Vous n'avez pas raconté le voyage de A à Z. Hein.
je me suis baigné, je suis sorti, j'ai pris un café. Non, vous racontez uniquement les choses qui ont un sens pour le recruteur. La découverte, la culture, le cadre différent, l'environnement que vous avez vu, etc. OK? Ne pas étaler votre vie privée. Ça agace beaucoup le recruteur. Quatrième chose, montrez que vous êtes motivé, mais n'en faites pas trop. Pas trop souriant, pas trop, pas trop excité. Juste montrez la bonne motivation. Vous êtes alerte, vous êtes motivé. Cinquième élément, ne pas parler de rémunération au début d'un entretien. Jamais. Alors, la chose à ne pas faire, bonjour monsieur, alors combien vous allez me payer? Ça, c'est la chose à ne pas faire. C'est précisément la chose à ne pas faire. C'est ce qui va, excusez-moi le terme, vous tuer dans un entretien d'embauche. Laissez l'occasion au recruteur de le faire. Parce que ce qui intéresse le recruteur, c'est vous, tout d'abord. Une fois il a fait le tour avec vous, de vos compétences, de votre expérience, etc., il va fatalement vous parler de rémunération. D'accord ? Si malgré ça, il ne vous parle pas de rémunération et que l'entretien est presque achevé, y a pas de souci. C'est vous qui allez lui poser la question. Est-ce que nous pouvons parler des conditions financières, monsieur? OK? Mais jamais parler de rémunération au début. Alors, il ne faut pas vous sentir obligé de répondre sur la rémunération ou accepter directement une offre si le recruteur vous fait une offre. Mettons par exemple que le recruteur vous dit « Écoutez monsieur, j'aime beaucoup votre profil, nous avons eu un entretien concluant, voilà, je vous propose 1500 dinars de salaire. » Ne vous sentez pas obligé d'accepter son offre tout de suite ou de répondre à son offre tout de suite. C'est une offre. Vous pouvez lui répondre par une contre-offre. Et donc, demandez un temps de réflexion. Et poser des questions, 1500 dinars, net, brut, avec les avantages, sans les avantages. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez me faire une offre écrite de rémunération? Et même là, le recruteur, il va se dire, ah, c'est quelqu'un de posé, de réfléchi, il va prendre son temps. Ce n'est pas quelqu'un qui va comme ça se jeter pour prendre une décision sans réfléchir. Alors, quand vous demandez un temps de réflexion, il ne faut pas dépasser les 48 heures parce que vous n'avez pas passé la semaine dessus. 48 heures, c'est suffisant. Vous pouvez même consulter des amis ou des parents ou des juristes pour vous aider à négocier votre salaire. Le point prochain, si on vous soumet un contrat, ne pas signer un contrat sur le champ. Ne jamais signer un contrat de travail sur le champ. Il faut demander systématiquement un temps de réflexion pour lire le contrat avant d'y répondre. Pourquoi? Parce que vous avez tout à fait le droit de lire le contrat, vous avez tout à fait le droit de demander des aménagements, des modifications au contrat, vous avez tout à fait le droit de demander des choses à inclure dans le contrat, et vous avez bien sûr le droit de demander un conseil, ça peut être un conseil du juridique, quelqu'un qui s'y connaît en contrat, pour vous conseiller, pour bien ficeler votre contrat, bien le lire avant de le signer. Parfois, il y a des pièges dans le contrat. Il faut faire très attention. Donc, ne jamais signer un contrat sur le champ. Demandez un délai de réflexion. Encore une fois, oui, 48 heures, 72 heures, pourquoi pas. Mais prenez votre temps pour bien lire le contrat et aidez-vous au besoin d'un expert, un expert juridique. Alors, maintenant, on a quitté un peu le déroulement. On va venir à l'entretien proprement dit. Alors, tout à l'heure, c'était des conseils pour réussir votre entretien au niveau du déroulé de l'entretien. Maintenant, vous arrivez à un entretien d'embauche. Alors, moi, j'étais recruteur, j'ai vu des gens qui étaient venus à un entretien d'embauche, quelqu'un avec la chemise ouverte, comme s'il allait en boîte, très décontracté et tout. Alors, on ne vous demande pas forcément de vous habiller en costume trois pièces. Les dames ou les filles, on ne vous demande pas de venir devenir un entretien d'embauche habillé en tailleur, mais venez habillé correctement. OK? Il y a certaines voies. Oui? Désolé. Oui, Karim. Désolé encore de t'interrompre, mais avant d'arriver au lieu, je voulais aussi rappeler qu'il faut arriver à l'heure, arriver avant l'heure, parce que vu mon job au Bergerac, il y a toujours une personne qui est à la recherche de société. Toujours une personne qui recherche dans le local, qui a l'adresse, je ne vais pas le chercher,
Donc, essayer d'aller à l'entretien au moins, je dirais moi, je suis persuadé, au moins 30 minutes, 1 heure en avance. Assurez-vous que c'est pendant votre voie, allez à l'accueil, dites, OK, est-ce que c'est l'entreprise X et Y? Oui. Est-ce que vous avez des entretiens prévus aujourd'hui? Oui. Donc, vous avez assez de temps pour aller vous relaxer, prendre un café, manger un truc, mais vraiment, toi-même, tu es recruteur. Et les recruteurs, ils ont vraiment, vraiment marre des gens qui arrivent en retard, voilà, qui arrivent avec la sueur pour trouver les lieux, voilà, qui arrivent avec un pas. Vraiment, le mec, il a pris tout son temps, il a bavardé pendant les couloirs, il est arrivé 45 minutes en retard, et il ne s'est même pas excusé. Voilà, c'était ma remarque. Merci beaucoup, Kérim, pour ta remarque très pertinente, très importante. Et j'allais en parler là. C'était le deuxième point que j'allais aborder. Donc, je reviens à l'habit, ce que vous devez porter. Alors, pas forcément costume ou tailleur, mais parfois vous devez, dans certains secteurs d'activité comme la banque, vous devez venir quand même en costume, hein, parce qu'il y a des secteurs qui ont un dress code. Donc, il faut respecter. Mais de manière générale, il faut être habillé correctement. Alors, vous pouvez être habillé en décontracté, un jean, un pull, etc., si vous voulez postuler pour un job dans les IT, dans le domaine de l'économie de l'information, les entreprises informatiques, les SS2I. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises qui ont une culture cool et c'est courant que les gens, d'ailleurs, qui travaillent dans ces entreprises portent des jeans, sont habillés de façon cool. Donc, un candidat peut venir habiller de façon cool. Comme a dit Kérim, deuxième conseil, arriver à l'heure, et je dirais même avant l'heure. Pourquoi? Parce que si vous avez un entretien d'embauche à 14 heures et que vous allez calculer votre temps pour arriver pile à 14 heures, vous pouvez avoir un impondérable, un imprévu. Par exemple, il y a une circulation automobile, ça vous a empêché de trouver un taxi rapidement, ou alors, même si vous venez à votre voiture, vous êtes bloqué dans la circulation, vous n'avez pas trouvé l'endroit, etc. Donc, accordez-vous une marge d'avance. D'ailleurs, c'est un conseil pour tous les rendez-vous, il faut toujours arriver un peu avant l'heure. Alors, il y a un conseil, parce que souvent, on a un entretien d'embauche au siège de l'entreprise et on ne connaît pas forcément le siège de l'entreprise, surtout les petites entreprises. Il y a une astuce qui est très simple. Avant d'aller à l'entreprise, cherchez-la sur Google Maps. Vous avez le trajet à l'avance, vous vous préparez, vous savez où ça se trouve. Vous pouvez calculer votre trajet et arriver à temps. OK? Très important. La ponctualité, c'est une qualité très, très importante. Ça peut vous éliminer, hein. Si un recruteur voit que vous arrivez pas à l'heure, même 5-10 minutes, c'est un mauvais point. Vous partez du mauvais pied là. Alors, troisième conseil, c'est d'avoir une attitude posée. Posée, ça veut dire calme, décontracté, mais pas trop décontracté, OK? Et il faut manifester quand même un minimum de sérieux. Vous êtes quelqu'un de sérieux qui venez pour un entretien sérieux. Il ne faut pas faire de familiarité avec le recruteur ou plaisanter, etc. C'est une personne que vous ne connaissez pas. Vous assistez à un événement ou un rendez-vous professionnel, il faut rester sérieux, conformément à la nature de l'événement ou du rendez-vous. Maintenant, on va venir au clou un peu, au morceau le plus important de cette formation, qui est l'entretien proprement dit. Alors, dans un entretien, il y a deux volets. Il y a le verbal et le non-verbal. Ça veut dire que vous allez répondre à des questions verbales, mais vous allez aussi communiquer de façon non-verbale grâce à votre langage corporel, en anglais le body language. Donc vous allez communiquer avec la parole, mais aussi avec le corps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 60% de la communication passe par le non-verbal, c'est-à-dire votre attitude corporelle, votre langage corporel, c'est-à-dire les yeux, les traits du visage, la posture, les mimiques, OK? Tout ça va compter énormément, à 60% dans la communication. Donc ça, il faut faire attention, c'est pour ça qu'il faut vous préparer.
Quand on se prépare, ça se passe bien. OK? C'est quand on ne sait pas que ça ne se passe pas bien. Donc, quand on se prépare, on a un atout, ça se passe bien. Alors, on va venir tout d'abord au langage corporel qui représente la part croissante de la communication. Alors, premier conseil, c'est que votre corps doit rejoindre votre pensée. OK? Si vous parlez sérieusement de votre parcours académique, vous n'allez pas le faire de façon comme ça, décontractée, sourire ou rire. Non, faut être sérieux, faut être posé, faut être concentré. OK? Le corps doit être conforme à la pensée. D'accord? Deuxième chose, il faut avoir une attitude ouverte vis-à-vis du recruteur pour montrer que vous rentrez dans l'échange. Si vous êtes renfermé sur vous-même, croisez les bras et tout, vous donnez l'impression au recruteur que vous n'êtes pas confiant ou alors que vous n'êtes pas intéressé ou vous ne savez pas pourquoi vous vous trouvez là, tout simplement. Donc, pour rentrer dans l'échange, il faut montrer que vous êtes ouvert. Ouvert, ça veut dire se tenir droit, pas avachi comme ça sur le siège, droit. Il ne faut pas vous croiser les bras, c'est une attitude négative, ça montre que vous êtes fermé à la communication. Il ne faut pas non seulement que vous croisez les jambes, parce que vous montrez que vous êtes décontracté, trop décontracté. Alors, troisième chose, il faut éviter ce qu'on appelle les gestes parasites. Se toucher le visage. Comme ça, tout le temps. Comme ça. Ça veut dire que, interprété en langage normal, ça veut dire que ça montre que vous cachez quelque chose. Cachez quelque chose. Toucher votre montre, par exemple, tout le temps. Ça vous montre que vous n'êtes pas intéressé, vous vous ennuyez, ok? Il faut éviter ce genre de geste. Alors, quatrième conseil, il faut vous synchroniser avec le recruteur. Ça veut dire quoi? Ça, c'est très intéressant. Si le recruteur bouge, vous n'allez pas rester comme ça, vous allez bouger aussi, entrer dans son rythme un peu. S'il est posé, vous restez posé, ok? Mais ne vous agitez pas trop, ok? Ce n'est pas parce qu'il bouge un peu que vous allez en faire trop, là, vous allez bouger dans tous les sens, etc. Non. Il bouge un peu, bougez un peu avec lui. Il est posé, restez posé. OK? Il ne faut pas singer le recruteur. Il ne faut pas l'imiter systématiquement. Il faut juste vous synchroniser avec lui. Entrer dans son rythme. C'est tout. Ça montre en termes de communication que vous êtes en conformité, en cohérence avec. Le recruteur, c'est ce qu'il va ressentir. Et c'est bien la cohérence. On est sur la même longueur d'onde. Alors maintenant, on va venir au contenu de l'entretien de recrutement. Vous devez tous vous poser la question, qu'est-ce qu'on va me poser comme question lors de l'entretien? Quel piège on va me tendre? À quoi je vais être soumis? Et certains d'entre vous vont avoir peur. Alors pour ne pas avoir peur, c'est bien de connaître les questions à l'avance. Bon, bien sûr, vous n'allez pas connaître toutes les questions à l'avance, mais je vais vous dire quelles sont les questions généralement qu'on va vous poser à l'entretien. Et si vous connaissez ces questions-là, vous allez vous préparer en conséquence. Vous allez même répéter, vous pouvez même répéter cet entretien à l'avance avec votre frère, votre soeur, votre cousin, cousine, maman, papa, etc. Comme ça, vous êtes préparé. La première question que je vais vous poser, pourquoi voulez-vous quitter votre entreprise? C'est une question qui peut vous déstabiliser, vous choquer. Ça, je parle des candidats qui ont déjà travaillé dans une entreprise. OK? Vous allez vous dire pourquoi il veut savoir pourquoi j'ai quitté mon entreprise. D'accord? Eh bien, tout simplement parce que le recruteur veut connaître votre motivation. Qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté votre entreprise où vous travailliez normalement, où vous étiez bien, probablement, pour venir chercher du travail chez moi? C'est que vous êtes sacrément motivé. Alors, montrez-moi cette motivation. Alors, comment répondre à cette question? Alors, il ne faut pas présenter de motivation auto-centrée. Quand on montre qu'on est motivé, il ne faut pas montrer que vous êtes motivé pour vous. Il ne faut pas se montrer égoïste un peu. Il ne faut pas dire, par exemple, je veux venir travailler dans votre entreprise parce que je sais, j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous formez beaucoup vos collaborateurs et ça m'intéresse les formations, moi, je veux me former aussi. Ou alors, je viens découvrir un autre secteur parce que ça m'intéresse, la découverte. Ça montre que vous êtes centré sur vous-même. Ce qui motive, c'est
votre propre bien, vos intérêts propres. Ça n'intéresse pas le recruteur. Il va se dire, celui-là, il veut travailler chez nous parce que ça l'intéresse lui, mais il s'intéresse pas à nous. Il faut apporter un plus à l'entreprise. C'est ce que cherche le recruteur, le plus. Alors là, par exemple, il y a des tuyaux, des astuces. Par exemple, si vous êtes financier, vous avez fait finance. Si le recruteur va vous demander pourquoi vous avez quitté votre ancien job, vous pouvez lui dire parce que je veux apporter de meilleurs conseils aux clients. Si vous êtes contrôleur de gestion, je veux développer la marge de l'entreprise, ses résultats. Si vous êtes un web designer, vous pouvez tout simplement dire, je suis là parce que je veux apporter des conseils à vos clients sur la manière de développer le trafic Internet. Voilà des choses qui intéressent l'entreprise et qui sont très concrètes. Là, le recruteur va se dire, ah, ce candidat est là pour nous apporter des choses, un plus que nous n'avons pas. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Le recruteur, il va vous dire, monsieur ou madame, parlez-moi brièvement de votre parcours professionnel. Alors, pourquoi il vous pose cette question? Parce que lui, il connaît déjà votre CV. Il l'a lu. Il connaît votre parcours professionnel. Pourquoi est-ce qu'il va vous demander de le lui raconter une autre fois? Parce que tout simplement, il veut tester votre sens de la répartie, c'est-à-dire votre capacité à tenir un discours, une conversation. C'est très important pour la communication. Vous êtes avec un client plus tard, vous devez savoir communiquer avec lui. Vous êtes avec votre patron, vous devez savoir communiquer avec lui. Vous êtes dans une réunion de comité de direction, vous devez savoir communiquer avec les autres membres de la réunion. Vous êtes dans un call à distance avec le siège, vous devez savoir communiquer avec le siège. Vous devez savoir communiquer. Un collaborateur ou un manager passe 80% de son temps à communiquer. C'est une compétence fondamentale. Donc le recruteur teste là votre capacité à communiquer. Donc, il ne faut pas partir dans des réponses fleuves. Hein. Racontez toute votre vie. Non, brièvement. Le terme brièvement, je le souligne. Ça va ennuyer le recruteur si vous allez lui raconter tous les détails de votre vie professionnelle. Et ça va brouiller son jugement. Il va se poser des questions. C'est qui ce candidat? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Je ne comprends pas parce qu'il part dans des détails qui ne m'intéressent pas. Donc, racontez uniquement de manière brève ce que vous avez fait dans votre vie professionnelle ou académique d'ailleurs, hein, pour les premiers emplois. Alors, troisième point, quelles ont été vos réalisations professionnelles? Alors ça, on en a parlé, le recruteur, il est intéressé par le résultat. S'il vous recrute parce que vous allez lui permettre d'obtenir des résultats, il ne va pas vous recruter pour occuper un bureau, regarder Internet, ou écrire des rapports, et participer à des réunions. Non, il veut avoir des résultats concrets. C'est comme quand on recrute un joueur dans une équipe, c'est pour qu'il marque des buts. C'est pas pour qu'il se balade sur le terrain. Donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut parler de réalisations concrètes et donner des exemples précis sur vos réalisations. Il faut que ça soit évalué de manière quantitative ou qualitative. J'ai augmenté le chiffre d'affaires de temps. J'ai réalisé tant de projets. J'ai permis d'ouvrir tant de filiales. OK? Très concret. Là, le recruteur aime. Il dit c'est quelqu'un qui est centré sur le résultat, sur l'objectif. Quatrième question que peut vous poser un recruteur, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise si vous êtes recruté? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter à nous? Ça, il va étudier un peu la consistance de votre profil, si vous êtes un profil consistant, solide, ou si vous êtes un profil moyen. Cinquième question, ça, c'est les questions qui tuent. Pouvez-vous lister vos trois principales compétences. Ça, c'est très, très important. Pourquoi le recruteur vous pose cette question? Première raison, pour savoir si vous connaissez vos compétences, pour savoir si vous vous connaissez. Très, très important. Quand on connaît nos compétences, ces compétences, on est capable d'en parler. Il y a des gens qui ne connaissent pas leurs compétences. Et des gens qui ne connaissent pas leurs compétences, on va se poser des questions sur leur confiance en soi. Quand on ne se connaît pas, on n'a pas vraiment confiance en soi. Quand on ne sait pas ce qu'on fait exactement, comment on va le faire si on ne le sait pas? Donc, avant d'aller à un entretien de recrutement, prenez un bout de papier et un stylo et notez vos trois compétences les plus importantes. Notez même un descriptif. Essayez de les commenter par une phrase ou deux. Comme ça, vous pouvez les présenter au recruteur. Il va apprécier, il va se dire, ah, il se connaît très bien, il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il pèse. Et donc, il saura très bien ce qu'il fera chez nous. Sixième question qu'on peut vous poser, pourquoi devrais-je vous choisir?
Le recruteur, il est là. Oui, monsieur, votre CV, il est génial et tout. Vous avez de belles compétences, une belle expérience professionnelle. Vous avez des réalisations très impressionnantes. Mais pourquoi devrais-je vous choisir? Sous-entendu, pourquoi vous devrais-je vous choisir, vous et pas quelqu'un d'autre? D'accord? Et là, hop, vous pouvez tiquer là. C'est un petit piège là. Pourquoi il vous pose cette question? C'est pour évaluer votre capacité à argumenter, à le convaincre. C'est comme s'il vous disait, convainquez-moi. Et là, vous devez avoir des arguments préparés à l'avance. Vous devez me choisir, monsieur, parce que je suis méthodique, parce que j'ai eu des résultats, parce que j'ai dirigé des équipes, parce que je suis organisé, parce que j'ai du leadership, parce que je suis ouvert, parce que je sais bien communiquer. Voilà. Des arguments solides. Parce qu'avec vous, avec moi, vous allez conquérir de nouveaux marchés. Vous allez augmenter votre chiffre d'affaires plus que les concurrents. Vous allez vous développer. Je vais vous aider à vous développer. Voilà. Confiance en soi et capacité d'argumentation. C'est des arguments massus, durs, balèzes. Costaud. Et là, le recruteur, il va se dire, oh, ce monsieur, hein, il sait argumenter. Septième question. Eh bien, il va vous dire, parlez-moi de l'entreprise. Qu'est-ce que vous savez sur nous? Et là, bien sûr, vous devez vous préparer à l'avance. Ça, c'est, il ne faut pas faire la faute de ne pas vous renseigner à l'avance sur l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons Internet. Il sait tout sur tout le monde. Vous pouvez aller dans des entreprises, surtout les plus grandes. Vous avez tout sur leur site Internet, leurs états financiers, leur activité, leur marché, leurs valeurs, leur mode de management, tout ce qui concerne la vie de l'entreprise, leur implication dans la vie sociale, leur, comment dirais-je, leur responsabilité, politique de responsabilité sociale, l'entreprise, leur politique de RSE, tout. Vous devez tout éplucher dans le détail, faire une fiche synthétique. Parce que vous n'avez pas parlé de tout, mais vous prenez chaque domaine, chaque volet et vous le synthétisez. Et vous vous préparez à l'avance. Un recruteur qui voit que vous connaissez très bien l'entreprise, il se dit, ce monsieur, il est intéressé par nous. Il nous connaît déjà avant d'être venu nous voir. C'est un point positif. Alors, huitième question. Ça, c'est une question piège. Une question qui revient systématiquement dans les entretiens de recrutement. Quelles sont vos trois qualités? Quels sont vos trois défauts? Alors moi, personnellement, je ne parle pas de défauts. Je parle de pistes d'amélioration parce que pour moi, les individus n'ont pas de défauts, mais ils ont des domaines où ils doivent s'améliorer. Ils peuvent s'améliorer, ils peuvent transformer ces pistes d'amélioration en succès, en qualité. Ça, c'est moi, ma perception des choses. Mais le recruteur, il ne va pas vous parler de cette façon-là. Il va vous dire quels sont vos défauts. Un défaut, c'est un mot négatif, ça choque. Ça déstabilise un peu. Pourquoi il vous pose cette question? Il vous pose cette question parce qu'il va vous mettre dans une situation de stress en vous posant une question sur vos défauts. C'est un monsieur que je ne connais pas et tout de suite, il va me dire quels sont mes défauts? Pour qui se prend? Et tout le monde a des défauts, bien sûr. Tout le monde a des pistes d'amélioration. Donc, moi, ça peut me gêner. Je peux commencer à transpirer un peu. Ça peut me mettre mal à l'aise. Il me parle de mes défauts. Donc, je suis en situation de stress, mais un candidat doit savoir gérer son stress. Le stress, il est là, on le reconnaît, il existe, on ne le nie pas, mais on doit le gérer, surtout dans un entretien d'embauche, c'est capital. Alors, les trois qualités. Même les qualités, il ne faut pas juste les citer, il faut en parler, il faut les présenter. Quand on donne une qualité, il faut donner un exemple pour marquer le recruteur, pour qu'il se souvienne de cette qualité-là, pour qu'il ne l'oublie pas. Par exemple, j'ai l'esprit d'équipe. Vous savez, j'ai pratiqué le football ou d'autres sports collectifs. On a joué des matchs mémorables, on a gagné des compétitions. C'était génial. Je suis le leader de mon équipe, c'est moi le capitaine. Ça montre que vous avez l'esprit d'équipe. Il n'oubliera pas ça. Alors, il va vous poser des questions sur les défauts et là, bah, tout le monde a des défauts, hein, que j'appelle moi piste d'amélioration, mais que lui appelle défaut. Alors, là, il y a une subtilité, une astuce. Alors, il faut chercher un défaut qui n'entre pas en conflit avec ce qu'on attend de vous dans le poste. C'est-à-dire, vous allez parler de vos défauts, mais qui ne concernent pas l'entreprise.
Donc, vous allez minimiser l'impact de vos défauts. Par exemple, je suis stressé dans la prise de parole en public, certes, mais pour un job de traducteur où il n'y a pas de prise de parole en public, il n'y a pas de souci. Le recruteur ne posera aucune objection. On vous demande de traduire des textes, mais pas de prendre la parole en public. Donc, ce stress n'a aucun impact sur le poste. Donc, un défaut, oui, mais qui ne correspond pas au poste. Voilà, vous avez trouvé la solution. Maintenant, il y a une question, là, on ne la pose pas en Tunisie ou dans le monde francophone, mais on la pose en Amérique du Nord, parce qu'en Amérique du Nord, on est cash. Peut-être que certains d'entre vous vont finir leurs études au Canada, aux États-Unis. J'en connais, moi, des anciens étudiants qui ont terminé leurs études en Amérique du Nord. Et là, on va vous poser une question cash. Êtes-vous honnête? Mais bien sûr que je suis honnête. Mais ça vous déstabilise. Parce que quand on vous pose la question de savoir si vous êtes honnête ou pas, ça sous-entend que vous pouvez ne pas être honnête. Et là, comment vous allez répondre? Vous, vous savez que vous êtes honnête. Mais comment montrer au recruteur que vous êtes honnête? Alors, il va même aller plus loin et vous dire, si un fournisseur, par exemple, vous donne 1000 dollars ou 1000 dinars, est-ce que vous l'acceptez? Et pourquoi? C'est-à-dire que si vous êtes en situation d'être corrompu, est-ce que vous acceptez la corruption? Et pourquoi vous l'acceptez? Ça aussi, c'est le genre de question qui vous déstabilise rien que parce que c'est une question provocatrice. Moi, je suis honnête, je n'accepte pas de corruption. Mais pourquoi il me pose ce genre de questions? Vous ne vous attendez pas à ce genre de questions. Et sur le coup, vous êtes déstabilisé. Alors, comment répondre? Ben, il faut répondre honnêtement. Quand on est honnête, on n'a rien à craindre, rien à se reprocher. Donc, on dit qu'on est honnête. Le fournisseur me donne 1000 dinars. Ah non, monsieur, moi, je ne suis pas corruptible. Hein. Je suis honnête. Je n'accepte pas. Parce que j'ai des valeurs. J'ai été bien élevé. Je ne suis pas un voyou. Voilà. Et c'est tout. Et ça s'arrête là et on passe à autre chose. Dixième question. Quel est votre niveau de langue? Là, attention. Hein. Le monde a évolué aujourd'hui. Le monde est devenu un village. Vous êtes sur LinkedIn. Une entreprise multinationale peut vous recruter. Une filiale tunisienne d'une entreprise américaine ou anglaise ou australienne. Eh bien, elle va vous recruter, mais à condition que vous sachiez parler anglais quand même. Pourquoi? Parce que vous allez discuter avec le siège. Le siège, c'est des anglophones. Vous allez lire des documents en anglais. Vous allez probablement rencontrer une clientèle anglophone. Et là, on va vous poser une question sur votre niveau de langue. Certes, vous avez dit dans votre CV que vous avez une maîtrise normale de l'anglais. Vous savez, même quand on parle un peu anglais ou qu'on regarde les séries en anglais un tout petit peu ou quand on lit un peu un document en anglais, on se dit oui, on arrive à, on maîtrise l'anglais et puis on sait très bien que peut-être on vous posera une question sur cette langue et donc on a tendance à dire oui, je maîtrise normalement ou moyennement, même si je ne maîtrise pas beaucoup. Donc, là, il y a deux situations. La première, c'est que le recruteur, il peut basculer directement dans l'entretien, dans une autre langue, la langue pour laquelle il vous pose la question. Par exemple, il parle en français. Alors, monsieur, quel est votre niveau de langue anglaise? Et puis, il va vous dire, « Now we will have an interview in English. So, tell me about you. » OK, donc là, vous êtes un peu déstabilisé, vous parlez dans une langue à laquelle vous n'êtes pas habitué, comment vous allez vous en sortir, etc. Alors, c'est très simple. Ne vous laissez pas impressionner. Mobilisez toutes les ressources que vous avez dans cette langue-là et continuez la conversation dans le langage que vous maîtrisez, c'est-à-dire l'anglais. Même si vous ne le maîtrisez pas beaucoup, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de montrer que vous êtes un Shakespeare, par exemple. Okay? Mais le plus important, c'est de tenir une discussion en anglais, une simple conversation. Engager la conversation et la maintenir. Vous n'êtes pas obligé de la prolonger, la conversation. N'allez pas parler de choses complexes, très détaillées, etc. Montrez juste que vous pouvez tenir une conversation en anglais. De toutes les façons, cette impression que vous allez donner au recruteur, elle va être positive. Et plus tard, si jamais vous allez obtenir ce job, vous allez vous inscrire dans un cours d'anglais où vous allez améliorer et pratiquer votre anglais. OK? Alors, dernière question, et là, je vais conclure. Eh bien, cette question-là, certains recruteurs la posent parce que là, vous a posé toutes 10 questions, des questions déstabilisantes, ça vous a demandé de faire des efforts, vous êtes passé par toutes les questions possibles et imaginables. Eh bien non, il en reste une.
Et vous avez l'impression, quand vous avez l'impression que l'entretien s'est terminé, c'est précisément où le recruteur va vous demander, avez-vous des questions à me poser? Pourquoi est-ce que le recruteur va vous demander si vous avez des questions à poser? Alors, de manière basique, pour savoir si vous étiez intéressé par cet entretien de recrutement. Si ça vous a intéressé. Parce que si vous êtes, quand on est intéressé par quelque chose, on pose des questions pour en savoir plus, pour demander des clarifications. Alors, non seulement un intérêt pour l'entretien, mais aussi pour le poste. Si vous êtes véritablement intéressé pour le poste, cela veut dire que vous voulez en savoir plus sur le poste. Donc, potentiellement, vous avez encore des questions à poser. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Encore une fois, il ne faut pas partir dans des choses auto-centrées, des choses centrées sur vous-même, dans votre intérêt. Par exemple, si vous dites, avez-vous des questions à poser? Oui, combien je vais être payé? Est-ce qu'il y aura des avantages? Est-ce qu'il y aura des formations? Ça montre que vous n'êtes pas intéressé par le poste, mais par vous-même. Et de toutes les façons, vous aurez tout le temps de discuter rémunération. Ne vous en faites pas. Si vous, à la fin de l'entretien, il ne vous pose pas la question à propos de la rémunération, vous pouvez gentiment, courtoisement et légitimement lui dire, est-ce que vous voulez qu'on parle conditions financières? Voilà. Alors, au lieu de partir dans des choses auto-centrées, posez des questions centrées sur le poste. Par exemple, en tant que manager de projet, quels sont les types de projets sur lesquels je vais travailler? Voilà, vous êtes curieux. Vous êtes manager de projet, vous postulez pour ce poste-là. Je suis curieux de savoir quels sont les projets sur lesquels je vais travailler, quelle est la nature de ces projets. Ah là, vous montrez au recruteur que vous êtes véritablement intéressé par votre futur poste. Ou alors, vous êtes responsable de la qualité. Est-ce que vous avez des programmes de qualité? Quelles sont les certifications de qualité que vous avez obtenues? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez travaillé avec des organismes externes? Voilà des questions qui parlent au recruteur. Il se dit, voilà, le candidat veut en savoir plus. Donc, il s'intéresse déjà, même si je ne lui ai pas dit s'il est retenu ou pas. Donc, un candidat qui s'intéresse, c'est un candidat intéressé. Intéressant, pardon. Un candidat intéressé, c'est un candidat intéressant. Voilà. J'aurais fini là. Alors, j'attends vos questions, si vous en avez. Et on peut ouvrir le micro, Kérim, pour avoir une sorte de débat, échanger ensemble. C'est très sympathique, c'est très Alors, intéressant. bon, merci, c'était un sprint d'1 h 40. Vraiment très chouette, très bien épuisé. On a tellement appris au cours de cette présentation-là. J'espère que tout le monde a autant apprécié et écouté l'intervention de Saïd Mansour, qui est formateur en RH, spécialiste en RH. Vous pouvez par exemple trouver sur Twitter, c'est l'un des rares, je veux dire, c'est l'un des rares HR qui sont sur Twitter parce qu'il y a fort de digital et aussi sur LinkedIn. Donc, pour encore une fois, merci. C'était un grand sprint. Pour ceux qui ont des questions, si vous voulez les poser, c'est vraiment l'occasion. Alors, Kérim, excuse-moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire là, Twitter, pour donner un conseil à nos amis. Ayez un compte Twitter. Pourquoi? Si vous êtes financier, marketeur, dans les ressources humaines, dans l'informatique, etc., sur Twitter, vous allez trouver des influenceurs, des gens qui ont des positions importantes dans votre métier, qui vont vous parler de votre métier, qui vont vous expliquer votre métier. Ils vont diffuser des articles, des entretiens, des vidéos, etc. sur votre métier. Et donc, vous allez apprendre beaucoup de choses sur votre métier en étant sur Twitter. Voilà le conseil que j'ai à donner à nos amis. Je ne t'entends plus, Kérim. J'ai dit, vous le trouvez sur Twitter et LinkedIn. Est-ce que moi j'ai une question. Oui, Kérim. Quel est l'entretien le plus bizarre que vous avez eu pendant votre carrière de RH? Alors, en tant que candidat ou alors en tant que recruteur? En tant que recruteur. Alors, en tant que recruteur, je vais te répondre tout de suite, Kérim. J'étais recruteur, j'étais DRH dans le secteur financier.
Et j'ai eu un candidat très sympathique d'ailleurs, hein. Et je lui ai posé la première question, très simple. Parlez-moi de votre expérience professionnelle. Alors, il m'a dit qu'il était caméraman, tout simplement. Et il m'a dit qu'il avait fait des reportages dans le désert, qu'il avait participé à la réalisation de clips vidéo et de films publicitaires, etc. Et je lui ai dit tout simplement, monsieur, est-ce que vous êtes conscient que vous postulez pour un job dans la finance? Il me dit oui, mais il me dit, vous savez, moi, je ne sais pas pourquoi je suis là. Donc, je lui ai répondu, moi non plus, monsieur. Donc voilà, l'entretien s'est terminé tout de suite. J'ai mentionné dans ma fiche que le monsieur n'était pas adéquat par rapport au poste et on s'est salué gentiment. Monsieur très sympathique du reste. Voilà, c'était l'entretien le plus bizarre. Il n'a pas duré 3 minutes, quoi. Autre question, est-ce que je sais très bien que c'est très bien conseillé de faire au moins un entretien, même si on est embauché, même si on est très bien dans notre poste actuel, de faire au moins un ou deux entretiens par année. Est-ce que c'est conseillé et pourquoi? Voilà, très 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 bonne question, excellente question, Kérim, je t'en remercie. Je dirais même un entretien par mois. Pourquoi? Parce que tu es bien dans ton job, tu es satisfait, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, mais on ne sait jamais. Tu peux ne plus avoir envie de travailler dans cette entreprise, tu peux t'ennuyer, tu peux avoir un conflit avec ton supérieur. Il peut y avoir un événement imprévu qui change toutes les données et qui fait que tu seras obligé de changer de job. Alors là, il vaut mieux être préparé à l'entretien que ne être impréparé. Et pour se préparer, il faut s'exercer. Et pour s'exercer, il faut refaire des entretiens. Et tu sais, Kérim, même si tu fais des entretiens à blanc, comme on dit, il pourrait y avoir des chances qu'un poste t'intéresse et t'incite à changer de job. Et de toutes les façons, les entretiens, c'est que du bénéf, c'est bénéfique à tous les coups. Pourquoi? Parce que ça te permet de t'exercer, de connaître aussi l'évolution du marché du travail, et aussi de connaître des gens, tout simplement. Même si tu postules tu vas pour un entretien où tu n'as pas d'ambition particulière, juste pour faire l'entretien, tu vas faire connaissance avec le recruteur. C'est une personne de plus dans ton réseau. Un jour, peut-être que tu auras besoin de cette personne. Au moins, tu l'auras rencontré. Il te connaît déjà, tu vois. Il n'y a que des avantages à faire des entretiens. Donc, moi personnellement, je m'assure, je fais un ou deux entretiens importants, à blanc, généralement c'est à blanc, mais je le fais pour tout d'abord garder le rythme, être à jour par rapport aux nouvelles normes d'entretien, aux nouvelles tendances technologiques, et surtout rester frais au cas où j'en aurai besoin plus tard. Chers amis qui sont connectés avec nous, est-ce que vous auriez des questions? Vous pouvez ouvrir le micro si vous voulez, vous pouvez ouvrir la cam ou vous pouvez taper la question. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir un expert parmi nous, Hussein Mansour. Si vous pouvez seulement taper votre pays d'origine, même si vous êtes un peu timide. Kérim, si tu pourrais corriger mon nom, c'est Ben Mansour, hein, c'est pas Mansour. Non, non, c'est toi qui l'as tapé. Ah, c'est Donc, moi je qui l'ai peux. tapé, alors, Oui. autant pour moi, hein, ça marche, Kérim. Ah, je peux Ouais. le corriger tout de suite. Ah, je peux pas le corriger, hein, c'est fini là. Ah, si, si, si. Si, je vais le corriger tout de suite, c'est bon. Je Oui, viens de corriger. alors, voilà. Si vous pouvez, pour ceux qui sont connectés avec nous, taper sur le chat votre pays d'origine. Comme ça, on aura une idée sur. Alors, je voudrais dire à nos amis qu'il n'y a pas de mauvaises questions, hein. La première question qui vous vient à l'esprit, posez-la. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que de bonnes questions. Alors, vous, en tant qu'expert en communication, entre autres, j'ai pu remarquer que
Les gens, ils sont un peu mal à l'aise en ligne, dans tout ce qui est conférence en ligne. Bon, pour les présentiels, c'est déjà, on peut les motiver, mais en ligne, c'est vraiment, les gens, ils sont très, très, comment dire, très timides. Ils sont très hésitants. Et là, j'ai une question. Est-ce Oui, que Kéline. tu as déjà fait un recrutement ou un entretien en ligne? Utilisant Skype ou Zoom ou pareil. J'ai même fait plusieurs entretiens en ligne. Je devais recruter quelqu'un qui vivait au Canada et qui devait rentrer en Tunisie, qui était intéressé donc par le poste dans le cadre d'un retour définitif. Donc le seul moyen que j'avais à lui faire cet entretien, c'était par Skype. Et d'ailleurs, surtout avec le confinement, la crise du coronavirus, etc., on est habitué aujourd'hui à faire des entretiens ou des séminaires ou des webinaires en ligne. C'est devenu une habitude. C'est très pratique. Donc, attendez-vous, hein, mes chers candidats, à participer à des entretiens en ligne. Alors là, par contre, le problème avec l'entretien en ligne, c'est qu'il ne met pas en valeur comme il faut votre body language, ok? Votre langage corporel. Voilà, là, par exemple, la caméra ne me filme pas entièrement, donc je suis obligé de, voilà, gesticuler, etc. Vous voyez? Donc, il faut faire un effort au niveau du langage corporel supplémentaire quand on est en entretien en ligne pour pouvoir donner la mesure de tout votre comportement au recruteur. Alors, notre ami Dembélé du Gabon qui demande bonsoir, j'aimerais savoir si c'est obligatoire d'avoir une lettre de motivation pour un entretien d'embauche. Oui, c'est une bonne question. Demson, bienvenue Demson. Écoute, je te dis la chose suivante. La lettre de motivation, c'est quelque chose qui existait beaucoup avant. On la demandait beaucoup avant. C'est un peu à la vieille école du recrutement, hein. On la demande peu aujourd'hui, mais on peut la demander. Surtout les organismes internationaux, d'accord? Ils veulent savoir pourquoi vous motivez. Et la lettre de motivation, il ne faut pas la prendre à la légère, hein. C'est-à-dire qu'il faut pas, par exemple, si vous postulez à plusieurs postes dans plusieurs entreprises, il ne faut pas prendre la même lettre et la répliquer, la dupliquer, hein. Changer juste le nom de l'entreprise. Il faut écrire une lettre de motivation spécifique à chaque entreprise. OK? Et bien sûr, dans une lettre de motivation, il faut décrire véritablement votre motivation. Il ne faut pas qu'elle soit longue, hein. Maximum une page et demie maximum. Où vous allez parler de votre parcours, de qui vous êtes, mais en relation avec le poste. C'est-à-dire que les compétences que vous allez mettre en avant dans une lettre de motivation, il faut que ce soit les compétences demandées par l'entreprise. Donc, il faut montrer le fait que vos compétences sont compatibles avec ce que cherche l'entreprise, d'une part, et il faut aussi parler de votre envie, exprimer votre envie et la présenter clairement. De faire partie de cette entreprise. Pourquoi vous voulez intégrer cette entreprise? Parce qu'elle est conforme à mes valeurs. Parce que c'est un domaine que j'adore. Depuis que j'étais enfant, je voulais travailler dans l'aviation, par exemple. Okay? Parce qu'elle représente pour moi une success story. Okay? Voilà. Des choses qui montrent que vous êtes réellement motivé. J'espère que j'ai répondu à ta question, Demson. Et je suis ça avec une question. Est-ce qu'on peut inclure la lettre de motivation sous d'une paragraphe dans un chapeau au début du CV? Moi, je dirais simplement, Kérim, qu'il faut faire la différence entre la lettre de motivation et le CV. Ce sont deux documents qui ont des objectifs différents. Le CV a pour objectif de présenter ton parcours de vie professionnelle et la lettre de motivation a pour objectif de montrer ta motivation. D'accord? Donc, ce sont deux documents différents, il ne faut pas les mélanger. Et ils ont des règles d'élaboration, de rédaction qui sont très différentes. D'accord? D'accord. Voilà. Voilà. Donc, on est toujours là, on est toujours ouvert pour les questions. Merci beaucoup, Sémi, pour toutes ces informations. Je veux savoir. Ça, c'est. Ouais. Elle est fan de DiCaprio et de
Martin Scorsese. Il faudra répondre souvent à la question. Oui. Oui. Alors, cette fameuse question, Sell me the spin, dans le film The Wolf of Wall Street. Voilà. Le monsieur qui a monté l'entreprise, qui a eu beaucoup de succès, puis a tout perdu. Quand il a repris sa vie dès le départ et il est devenu formateur, il anime des séminaires pour la vente, pour montrer ou former les gens à la vente. Et en fait, pour lui, la meilleure façon de demander à un vendeur s'il arrive à vendre, c'est pas de lui poser des questions ni sur son expérience, son CV ou quoi que ce soit. Il lui montre un stylo, il me dit « Vends-moi ce stylo. » Et c'est tout. Donc, si tu es un bon vendeur, il faut que tu saches vendre le stylo. Oui, il y a des recruteurs qui ne vous poseront aucune question sur quoi que ce soit. Okay, et qui vont vous dire « Vends-moi cet ordinateur. Vends-moi un projet. Okay » la première question, si le TGM part à 8 heures du matin, la fumée du moteur sera dans quelle direction? Alors, c'est une excellente question, celle mise Spen, parce qu'elle va droit au but et elle va tester tes compétences directement en temps réel et tu dois faire tes preuves, tu n'as aucun choix. Si tu t'es préparé pour parler de toi, pour répondre à toutes les questions qu'on a évoquées tout à l'heure, ça ne marche pas là. Alors, moi, je dirais que ce genre de questions, on le pose plutôt généralement en jeu de rôle, hein. C'est-à-dire en complément de l'entretien de recrutement. Parce que, vous savez, l'entretien de recrutement, c'est une étape parmi d'autres dans le processus de sélection du candidat. Généralement, on passe des tests, et on a des entretiens individuels ou en groupe, donc des tests de personnalité, et on peut aussi participer à une mise en situation. Puisque moi, je veux recruter un commercial, donc il doit être capable de vendre. Donc, je vais le mettre en situation de vente. Alors, ça me rappelle un exemple. On a voulu recruter une chargée de clientèle dans les assurances. Et donc, elle doit vendre des assurances, c'est clair. Mais dans la mise en situation, on ne lui a pas demandé de vendre des assurances. On lui a donné des caractéristiques très techniques d'un ordinateur. Et on lui a demandé de vendre l'ordinateur, alors qu'elle n'y connaît rien en informatique, et même les caractéristiques sont très techniques, même pour quelqu'un qui s'intéresse à l'informatique. Pourquoi on lui a fait cet exercice? Pour une raison simple. Peu importe les caractéristiques, il faut que tu sois capable de vendre, même si tu ne connais pas le produit. Tu vois? Donc, c'est une très excellente question, celle mise Spen, et je crois que ça demande une formation à part. Comment vendre, tout simplement? Alors, il y a, est-ce que demande les questions les plus fréquemment utilisées qu'on a déjà, que vous avez déjà répondu? Oui, oui, très, merci Esra pour la question. Les questions les plus fréquemment posées, c'est la motivation, c'est les trois défauts, c'est... attendez, je vais revenir aux questions, comme ça je les ai en face de moi. C'est les réalisations, pour savoir de quoi vous êtes capable. Pourquoi vous avez quitté votre entreprise? Pourquoi je devrais vous choisir? Voilà, ça, c'est des questions qui sont fréquemment posées. D'accord? C'est probablement, c'est sans doute les questions les plus difficiles. Mais il n'y a pas de questions difficiles quand on se prépare au préalable un entretien d'embauche. Il n'y a aucune question difficile. Donc, alors, la question de M. Demson qui demande... La lettre de motivation, est-ce que c'est mieux de l'avoir manuscrite ou numérique? Ça dépend de ce que demande l'entreprise. Il y a des entreprises qui cherchent, qui vous demandent une lettre de motivation manuscrite, signée de votre main. Et il y a des entreprises qui demandent des lettres de motivation, peu importe qu'elles soient manuscrites ou tapées à la machine. Alors, pourquoi manuscrite? Alors, certaines entreprises utilisent la méthode de la graphologie pour recruter. C'est vrai que c'est un peu has-been, un peu l'ancienne école, mais ça arrive. C'est-à-dire qu'elles vont essayer d'analyser votre personnalité à travers votre écriture. Ok. Alors, la dernière question, je vois de répondre moi, c'est par rapport à un CV.
Bonsoir, concernant Alors, le boss. excuse-moi, Kérim, de t'interrompre. Alors, Demson me dit, quelle est la meilleure façon de faire une lettre de motivation? Alors j'ai l'impression que Demson veut savoir comment on veut faire une lettre de Non, motivation. Alors, il a dit manuscrite ou numérique. d'accord. Mais de toutes les façons, si Demson veut savoir comment on rédige une lettre de motivation, sans souci, il peut me contacter sur mon profil LinkedIn ou Facebook. Et on peut faire un call comme ça de 10 minutes pour lui montrer comment il rédige une lettre de motivation. Avec grand plaisir. Alors, Claude Tessé du Gabon demande bonsoir concernant l'élaboration du CV d'une personne sans première expérience professionnelle. Comment s'y prendre? Moi, j'ai Très. répondu qu'il y a une vidéo où on parle de ça, mais je vous demande aussi de répondre à ça. Oui, Claude, merci pour ta question très pertinente. Tu es étudiant en première année et tu dois rédiger ton CV pour un premier stage à la fin de ta première année. Tu as zéro expérience professionnelle. Okay, comment s'y faire, s'y prendre? C'est simple. Tu dois nous parler beaucoup de tes hobbies, c'est-à-dire ce que tu aimes faire, les voyages, la musique, la lecture, etc. Si tu as une expérience associative, par exemple, tu vas nous en parler. En mettant en valeur les compétences que tu as eu à mobiliser, ce que tu as vécu comme expérience, s'il y a eu un projet derrière, etc. Tout ce qui est en rapport avec tes réalisations ou des choses que tu as vécues doit le mettre en valeur. Bien sûr que le recruteur, pour un stage en première année, il sait très bien que tu n'as pas d'expérience. Donc, il va essayer de identifier ta motivation, ta disposition à venir passer le stage, ta curiosité, ton intérêt pour l'entreprise. Donc tout ça, tu peux le montrer grâce à des activités qui ne sont pas professionnelles. Voilà. Kérim. Oui. Alors, je vois pas d'autres questions. Alors, encore une fois, merci. Sammy est disponible. Je viens de partager ses liens. Il est disponible sur Twitter et sur LinkedIn. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'audience est un peu. On a beaucoup de gens qui sont très actifs. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Kérim. Il y a une question. Oui, j'attends des questions du public, sinon je passe à une autre question. Voilà. Alors, dans le cas où on a eu C'est un merci, pépin, Farah. C'est moi qui te remercie pour ta présence, Farah. alors dans le cas où on a vraiment un pépin, un vrai pépin, on est tombé malade au jour de c'était par exemple la chance d'or, la chance de ne pas rater, on a eu un accident. On a eu vraiment un pépin qui nous a vraiment soit nous a retardé considérablement, soit on n'a pas pu y aller carrément. Comment on peut remédier à ça? Comment on peut ne pas se faire passer pour un menteur? Bah, tout simplement en disant la vérité. La meilleure manière de ne pas mentir, c'est de dire la vérité. Et je vous incite à dire toujours la vérité. Toujours. Il ne faut jamais mentir. Ni sur un CV, ni dans une lettre de motivation, ni dans l'entretien. Parce que, un, ce n'est pas bien de mentir. Et deux, le recruteur finira par le savoir. Et même s'il ne le sait pas, il va s'en douter un peu. Alors, si tu as eu un pépin, bah, il faut appeler le recruteur pour lui dire, j'ai eu un pépin, c'est tout. Si tu es malade, bah, tu as le droit de tomber malade. Tout le monde a le droit de tomber malade. Hein. Je suis tombé malade, je suis désolé. Je voulais véritablement assister à l'entretien. Est-ce que vous pouvez me fixer un autre rendez-vous? Ou alors, dès que j'irai mieux, je vous recontacte pour fixer un autre rendez-vous. Si par exemple, tu as pris un taxi et que tu es bloqué dans la circulation, tu appelles. Par exemple, si tu sais que bon, tu vas arriver en retard, tu te dis, est-ce que vous pouvez décaler la réunion d'une heure, par exemple? Mais si tu sais que tu ne vas pas y arriver, je suis désolé, est-ce qu'on pourrait avoir un autre jour? Et je suis à votre disposition. Il faut montrer toujours qu'on est à la disposition du recruteur. OK? Le recruteur, en général, et toi, vous êtes en tant que professionnel, est-ce que les recruteurs, généralement, sont ouverts à ce genre d'incident? Est-ce qu'ils sont compréhensifs ou ils sont carrés, en général? Oui. Si toi, tu t'excuses gentiment et courtoisement,
D'accord? Eh bien, le recruteur va apprécier. Il va se dire, après tout, c'est pas de ta faute. Donc, pourquoi pas, oui. Ben, s'il est sympa, il va se dire, oui, je vais lui fixer un autre rendez-vous. Si le recruteur a été rigide et n'a pas voulu, ben, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas sous son autre contrôle, Kélim, tu comprends? Donc, les Absolument. choses qui ne sont pas sous notre contrôle, ben, tant pis. On va se dire, un de perdu, 10 de retrouvé. J'espère avoir un autre rendez-vous. D'accord? D'accord, c'est bien. Et alors, c'est encore dans ton demande de contact. Tu viens de passer ton contact sur Twitter et sur LinkedIn. Oui, je préfère qu'il me recontacte plus sur LinkedIn. C'est plus facile pour moi, hein. Ben, Sam, c'était comment dire, une vie incroyable. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, de nous avoir éduqués, de nous avoir partagé notre expérience professionnelle, ces danses avec nous, avec notre public. Et on se donne rendez-vous très très bientôt pour notre thème et remercie tous ceux qui étaient présents parmi nous. Je vois, Sam, que de jour en jour, que les gens, malheureusement, ils ont un peu, côté éthique de COVID, ne sont plus autant présents sur le live qu'au début. D'accord. C'est Au pas début, grave, c'est... Kélim. Est-ce que tu me permets de dire un dernier mot avant de Oui, bien quitter? sûr, j'allais te Alors, tout demander d'abord, je justement. remercie tous nos amis qui étaient présents aujourd'hui, qui ont manifesté leur intérêt pour cette formation. Ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer et ça veut dire que vous êtes motivés pour vous préparer pour affronter des entretiens d'embauche. Donc, je vous remercie de votre présence. Et je vous dis tout simplement de ne pas hésiter à me contacter en privé si vous avez des questions supplémentaires, si vous voulez approfondir un thème ou vous voulez tout simplement avoir de l'aide. Ça me fera très plaisir de vous accompagner. Et je vous dis aussi que je suis sûr que si vous vous préparez comme il le faut à un entretien d'embauche, vous arriverez à décrocher le job. Parce que la différence entre vous et quelqu'un d'autre, c'est que vous êtes préparé. Et peut-être que d'autres personnes ne le sont pas. Et par contre, vous n'avez pas le droit de ne pas être préparé, par contre, hein. C'est-à-dire, quand on n'obtient pas un job parce qu'on est allé comme ça, sans aucune préparation, bah, après, il faut s'en vouloir à soi-même, quoi. Donc, il vaut mieux se préparer. Et je vous dis encore une fois merci. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera très, très plaisir. Merci encore une fois, Sam, d'avoir accepté notre invitation et on se fixe un rendez-vous très très bientôt sur d'autres thèmes, sur le digital, sur le RH, sur l'embauche, sur l'emploi, sur les stages. Soyez connectés et suivez-nous. Kérim, c'est quand tu veux, hein. Et je te remercie aussi de m'avoir donné l'occasion de rencontrer nos amis et de partager un tant soit peu un peu de mon expérience avec eux. Et encore une Et fois, merci, Kérim. c'est aussi parce que là, on a des clubs partenaires avec nous qui sont basés en Afrique, en RDC, au Togo et au Mali. Si vous voulez inviter Sami, n'hésitez pas à nous contacter. Il sera Avec très, grand très bien, plaisir, Kérim. Avec grand plaisir. très partant pour, comme l'a dit Demson. D'accord, monsieur. Merci encore pour les précisions. J'étais vraiment satisfait de cette formation-là. Ça nous fait Merci, plus de Demson. bonheur. Donc, Sami est un consultant en digital RH, formateur en RH, et nous allons sûrement avoir plein plein de rencontres dans le futur. Et merci beaucoup. Avec plaisir, Kelly. Merci et à très bientôt. Bye. Ciao, ciao.